on t'appelle, les jeux sont faits. Viens, on t'appelle, c'est ce soir ou jamais. Pour espérer vaincre l'Union soviétique, Équipe Canada devra reprendre là où elle a laissé en troisième période lundi dernier. Travail constant et collectif, opportunisme et discipline peuvent conduire les hommes du controversé Glenn Slater jusqu'au but. Les soviétiques n'ont laissé aucune équivoque dans ce tournoi. 5 victoires en 5 matchs. Jeu méthodique, rapidité d'exécution, performance sans bavure, l'URSS a démontré jusqu'ici qu'elle est définitivement la puissance mondiale au hockey. Une présentation de Crown Vic, l'assureur officiel de la Coupe Canada. Et des détaillants et agents Petro-Canada de votre localité. Petro-Canada, ça nous appartient. Ce soir, en direct du Saddle Dome à Calgary, nous vous présentons le match de demi-finale opposant l'URSS à Équipe Canada. Mesdames, Messieurs, bonsoir, ici Pierre Durivage, au nom de toute l'équipe. Bienvenue au Saddle Dome de Calgary. Rapidement, Jacques Saint-Jean, que doit faire Équipe Canada pour gagner ce match ce soir? D'abord, j'espère que Glenn Slater a établi un plan de match très simple et que les joueurs vont le suivre à la lettre de la première à la 60e minute et qu'on ne brisera pas le tempo de la partie par des punitions stupides. Et on se doit de protéger le centre de patinoire avec un échec avant 2-1 et de revenir dans la zone pour travailler à 5. D'accord, merci beaucoup, Jacques. Le jeu viril fait partie intégrante du monde du hockey. Et dès l'âge bantam, on cogne quelquefois d'ailleurs très dur. Les jeunes ont évidemment l'exemple des plus vieux, qu'ils soient amateurs ou encore mieux professionnels. On s'interroge fréquemment, on se pose souvent des questions. Est-ce qu'on se souvient plus facilement d'une mise en échec très dure ou encore d'un arrêt sensationnel? Eh bien, un bon bagarreur est-il aussi populaire qu'un fin marqueur? Il y a deux écoles de pensée bien distinctes. Et un affrontement URSS-Canada n'échappe pas à ses composants d'une rencontre d'un type assez particulier. Victor Tikhonov avait donné congé au gardien Vladimir Mishkin lundi soir dernier en prévision du match de ce soir. Et en son absence, Alexander Tichnik, le protégé de Tretiak, a tenu tête à Équipe Canada. Le jeu a été ponctué de robustesse à la frontière même de la rudesse. Vladimir Kovin a croulé sous l'attaque de Marc Messier et pendant qu'il purgeait une pénalité, Vladimir Krutov a donné le ton au match avec le premier de ses deux buts. S'il y eut une période où l'on pensait avoir raison des Soviétiques à force d'intimidation, ce temps est bien révolu. La machine rouge a appris à servir la riposte. Elle le fait habilement et subtilement, voire même avec étonnamment de discipline. Anatoly Semyonov, numéro 30, Irek Gimaev et Igor Stelnov, pour ne nommer que ceux-là, ont aussi joué dur lundi dernier. Presque impunément, seul Gimaev écopant de 2 pénalités pour accrochage. 19 fois champion du monde depuis 1954, les Soviétiques étaient venus pour apprendre en 1972. Ils auront donc tout appris. Et ils peuvent maintenant se targuer d'être de très très bons professeurs. Des maîtres qui ont du punch, et ce, à tous les niveaux. Les grands champions mondiaux du hockey, l'URSS. Bonsoir, mesdames et messieurs. Ici Jacques Moreau, accompagné de Claude Bédard. Claude, il semble qu'au fur et à mesure que le tournoi progresse, que si on compare avec ce qui s'est passé dans les deux premières éditions de la Coupe Canada, ça se ressemble absolument pas. Non, absolument pas. Il y a eu beaucoup de revirements et ce soir encore, il faut croire au miracle. Peut-être même que Glenn Slater en est un qui croit plus que les autres au miracle, parce que pour la 5e fois en 6 matchs, il a remanié tous ses trios. Alors, en 1981, le Canada avait battu les Soviétiques dans le dernier match de la ronde préliminaire 7-3. Les Soviétiques l'avaient emporté 8-1. On espère que les rôles seront inversés ce soir. Merci infiniment, Claude. Une pause. On vous rappelle que c'est la Coupe Canada 84 qui se poursuivra dans ce petit moment au réseau TVA. Comme il est de coutume, les cérémonies d'ouverture
se déroule sous nos yeux. Eh bien, on a d'abord fait la présentation de M. Bob Peterson, président et chef de la direction de la compagnie SO Ressources Canada Limitée. Également du jeune Jamie Kelstad, 13 ans, de Calgary, gagnant du programme de médaille au mérite de SO, mérite sportif bien sûr. Et là, on présentera un boxeur, Sean O'Sullivan, médaillé d'argent aux Jeux de Los Angeles. Alors les gens se lèvent pour saluer Sean O'Sullivan. Ce qu'il a perdu en finale contre l'Américain Frank Tate. Plusieurs lui concédaient la victoire à ce moment-là. Cependant, les juges en ont décidé autrement. On demande maintenant aux deux capitaines. D'une part, Larry Robinson. On sait qu'il y a deux capitaines du côté de l'équipe canadienne, Wayne Gretzky et Robinson. Et du côté de l'URSS, il n'y en a qu'un, le défenseur Kazatonov, Alexis de son prénom, portant le numéro 7, alors que les échanges de bons souhaits et les poignées de main se poursuivent au centre de la patinoire. Quand le tournoi a commencé, eh bien, il n'y avait qu'un hymne national que l'on entendait, soit celui du pays hôte, le Canada. Et en demi-finale, on a salué, bien sûr, les joueurs qui étaient impliqués dans le premier match, la demi-finale, américain et suédois. Et aujourd'hui, en plus de l'hymne national, et aujourd'hui, ce sera l'hymne national de l'URSS et l'hymne national du Canada. L'Orient et l'hymne des soviétiques, l'hymne de l'URSS. Plus brillant exploit dans
hymnes nationaux étaient interprétés d'une part par Maurice Loriot et d'autre part par Susan Smith. Donc, l'URSS a terminé la première portion du tournoi avec 10 points. Elle se présente en demi-finale contre le Canada. Le Canada qui, lui, n'a pas fait mieux que 5 points, 2 victoires, 2 revers et un match nul. Un match nul qu'il a traîné tout au cours de la ronde préliminaire contre les Américains. On rappelle qu'hier, les Américains ont été défaits par la marque de 9-2 au départ des Suédois et ça a causé tout un désarroi tant chez les Américains que chez les organisateurs et aussi les gens présents, très peu cependant, au Colisée d'Edmonton, au Colisée Northland. Chez les marqueurs, eh bien, on a plusieurs marqueurs à 7 points. Là-dedans, il y en a 4 du Canada. Le premier est Bossy, suivi de Gretzky, Krutoff, Goulet, Coffey et Ed Olczyk. Plus loin, on revoit Kent Nilsson de la Suède, Makarov de l'URSS, Loup de la Suède, Svetlov de l'URSS, Middleton du Canada et Hufner de la RFA qui ont 6 points. Claude, la table est mise, comme on dit, et un commentaire avant que ne se mette en marche ce match important. Le thème du tournoi, si tu dis au jeu, ça ne sera peut-être jamais aussi vrai que ce soir, puisque l'action ne manquera pas. On est sûr d'assister à un match qui sera définitivement moins monotone que celui que nous ont offert les Suédois et les Américains hier. Il y a eu plusieurs changements apportés dans les trios de l'équipe canadienne pour la 5e fois en 6 matchs. Ça surprend un peu. La présence de Pete Peters devant le filet de l'équipe canadienne, il remplace Réjean Lemelin et Vladimir Mishkin revient devant celui de l'équipe soviétique. Là, c'est en territoire soviétique, Zubkov qui prend le disque, le numéro 3. Eh bien, c'est intercepté. Et une passe qui va jusque sur le bâton de Robinson, accroché par Larionov. Makarov également est là. Tonelli qui a maille à partir avec Larionov. La rondelle glisse jusque sur le bâton de Makarov. Territoire adverse. Une rondelle qui est perdue. Reprise plus loin. Un tir de Krutoff. Et la rondelle rentrera au centre. C'est Kazatonov. Et Sater a compris puisque les changements dès le départ fort rapidement. Middleton qui veut garder le disque chez les Soviétiques, mais Gretzky était déjà de l'autre côté. Ça, c'est bon signe. Déjà, pendant qu'on aperçoit Rick Middleton a été blessé, a manqué quelques matchs, mais néanmoins, il se retrouve avec une fiche de 3 buts, 3 passes. On sait qu'à son retour au jeu contre les Tchécoslovaques, c'est lui qui a sonné la charge, a inspiré les siens. Et j'allais dire que Sater a bien réagi tout de suite à la stratégie de Tikhonov. Les remplacements se multiplieront. Middleton vers à Yashin. Yashin qui file au centre jusqu'à Svetlov. Le revers rate complètement. La rondelle va jusque sur le bâton de Goulet du côté de l'aile gauche. Goulet, une passe vers Gretzky, c'est intercepté par Yashin. La sienne, elle, va sur le bâton de Lowe. Lowe poursuit sa course, poursuivi par Vinyaletinov. Passe dans l'enclave et les Soviétiques rejettent jusqu'à l'autre bout où ça sera refusé. Alors qu'il reste 18 minutes et 32 secondes au premier engagement, 0-0. C'est la Coupe Canada 84 qui se poursuit dans un moment au réseau TVA. Non. En territoire de l'Union soviétique, Messier qui est chassé de la mise en jeu, Kovin qui porte une visière, celui qui avait été attaqué assez sauvagement par Messier lors du match précédent, du dernier match de la ronde préliminaire. Dans le coin de la patinoire, Anderson vers Mishkin. Il remet aussitôt à Kovin, à Varnakov plus loin. Intervention de Hadé et on a complètement sorti Kovin du jeu. Mise en échec sévère, là c'est Svartsov, tente de déjouer deux joueurs. La rondelle lui échappe par la clôture. Cette rondelle qui est finalement reprise par Gartner, bousculée à son tour. Et Messier qui veut reprendre le disque, Varnakov et Gartner. Et le bal est parti. Eh bien,
c'est, ça vient de recommencer, Jacques. C'est le trio qui a démontré le plus de vitesse lors de l'exercice d'hier qu'a tenu l'équipe canadienne au Saddle Dome. Le trio composé de Anderson, Messier et Gardner. Et là, c'est Gardner qui s'est retrouvé face à face avec Vardakov et on n'y allait pas tendrement. À coup de poing, et Vardakov en a perdu son casque. Gardner, qui a toujours affiché la même détermination, beaucoup de vivacité dans son jeu. C'est peut-être pour cette raison qu'on a décidé de regrouper ces trois joueurs. Trois joueurs dont le style s'apparente. Et Messier a été replacé au centre, lui qui a obtenu du succès lors des dernières séries de la Coupe Stanley à cette position. Quitte de se répéter, eh bien, les deux joueurs ont gardé leur gant et s'ils avaient tout simplement laissé leur gant, ils auraient pu être expulsés. C'est un règlement de la Fédération internationale. Là, Robinson à Messier. Messier qui rejette dans le coin, aussitôt remplacé par Bossy. Anderson est remplacé par Brent Sutter. À 4 contre 4, une passe qui est interceptée par Brent Sutter. Sutter aussitôt à Coffey. À Sutter, il déborde, il va dans le coin, bousculé par Zoukov. La rondelle est repris par Kazatona et on doit rentrer au centre. Aux pénalités mineures double, 1 minute et 16 secondes. On se regroupe autour de Robinson. Robinson à sa droite, à Brent Sutter, tente de jouer Zoukov et renvoie le disque le long de la rampe. C'est Coffey qui a quitté son poste, vise l'enclave, mais la passe est interceptée. Au centre de la patinoire, c'est Robinson qui effectue un vilain jeu. Et c'est Vassiliev qui passe par là, reprend le disque, l'envoie à Makarov. Belle manœuvre devant Coffey, devant Robinson, le revers rate complètement. Là, c'est Krutov. Passe devant à Makarov. Makarov poursuivi par Gretzky le long de la clôture. Et la rondelle sera prise par Robinson. À sa gauche, vers Goulet. Et la rondelle effleure le patin de Goulet. Elle revient sur son bâton. Évite la mise en échec de Kazatona. Puis finalement, rétouche plus loin. Aux pénalités, 25 secondes. On joue surtout en territoire neutre depuis le début de l'engagement. 16 minutes et 20 secondes encore à jouer. Gretzky poursuivi par Bilialetina. Là, fait la passe à Raymond Bourque. Centre de la patinoire, vise le coin, c'est la course et Mishkin qui sort et immobilise cette rondelle. On recommencera en territoire de l'URSS. Le coup de patin des deux équipes est très vif, Jacques, et beau jeu de Gretzky sur cette dernière descente. Il a tiré Kutov, l'a tout simplement écarté du jeu pour permettre à l'équipe canadienne de se retrouver à 4 contre 3. Mais encore là, le repli des Soviétiques a été remarquable et les issues ont été plutôt rares jusqu'ici. Là, Messier poursuivi par Stelnov. Messier, cependant, garde le disque. Les pénalités mineures se terminent. On garde le disque en territoire soviétique, c'était Anderson. Et là, Messier qui accueille solidement Stelnov. La rondelle est reprise par Messier le long de la clôture et on freine l'élan de Messier. C'était Stelnov juste par derrière qui l'empêchait d'avancer. C'est la Coupe Canada 84 qui se poursuit dans un petit moment au réseau TVA. Eh bien, on recommence à la droite du gardien Mishkin, Peter Stastny qui fait une première présence. Un tir de Wilson et la rondelle effleure un joueur soviétique. C'est Semyonov qui reprend de plus belle. Là jusqu'à Yashin. Un tir, un bel arrêt du bout de la jambière par Peters. Retour qui appartient toujours aux Soviétiques. Semyonov, autre tir. Et Peters accorde un long retour. Là, c'est Svetlov, un tir à nouveau. Autre arrêt de Peters. Dans le coin, c'est Huddy qui remet par derrière jusqu'à Wilson qui effectue un retour au jeu. Il avait été blessé un coup lors du match disputé ici même samedi dernier contre la Tchécoslovaquie lorsque mis en échec par František Mušíl. On s'en va jusqu'au centre autour de Robinson. Robinson renvoie à sa gauche et c'est Coffey qui remet plus loin. Brent Sutter veut remettre devant. Voici à son tour vers Tonelli, c'est raté. La rondelle a effleuré le patin du numéro 27, Tonelli. Veut à son tour rejoindre quelqu'un dans l'enclave. Mais cette rondelle sera propulsée jusqu'à l'autre bout et ce sera refusé aux Soviétiques quand Coffey touchera
au disque. 14 minutes et 26 secondes à jouer en première période, 0 à 0. Les tirs au but, 3 par les Soviétiques, aucun par équipe Canada. Voilà, on salue les 25 ans de journalisme de Claude Bédard, mon ami à ma droite ici. Ça fait 25 ans qu'il effectue ce métier. Et également, cet anniversaire aujourd'hui, c'est un 15e anniversaire pour lui. C'était son entrée dans la grande famille québécoise. Bravo Claude, et c'est toujours un plaisir de se retrouver sur une galerie de presse, sur une tribune de presse, où on peut admirer ton travail. Merci Jacques. La surprise, j'attendais la reprise. Tout une reprise. Et là, je me suis mis la tête à l'écran, je me demandais ce qui se passait. Je cherchais la caméra, je pensais que la caméra qui est derrière l'écran témoin, c'était vers nous. Merci infiniment, Jacques. Merci Marcel Godette qui est avec nous et toute l'équipe. C'est déjà 25 ans, ça me fait vieillir. Mais 15 ans, peut-être les plus belles années de ma vie, les 15 dernières dans la grande famille de Québécois. On t'en souhaite 25 autres comme ça. Merci. Alors, on aperçoit à l'écran cette vague humaine qui reprend. Et cela, sous l'incitation du super fan que l'on a rencontré dans l'avion vers Edmonton un peu plus tôt. Et il est revenu également après le match Canada-URSS. Là, c'est Robinson à tir et rate de feu. Caulfield qui retient le disque chez l'adversaire. Par derrière le filet. On doit se regrouper puisque les Soviétiques sortent de la zone et s'amène chez l'adversaire. Robinson poursuivi par Varmakov. Rondelle libre reprise par Kovin. Le long de la rampe, c'est Bossy. La longue passe qui va jusque dans les patins de Tonelli. Et c'est Zubkov qui reprend. Vers Svortsov, un tir faible de loin. La rondelle a effleuré le gant de Peters et elle s'est retrouvée chez les spectateurs. C'est la Coupe Canada 84 qui se poursuit dans un moment. Au réseau TV. 13 minutes et 47 secondes à jouer en première. 0 à 0 de beaux élans de part et d'autre. Claude. Oui, un seul tir par l'équipe canadienne, celui de Robinson, et 4 par l'équipe soviétique. Mais dans l'ensemble, Tikhonov n'a pas encore réussi à se détacher de Glenn Sater. Et c'est intéressant puisque ça a peut-être pris bien du temps, mais on a finalement compris que pour jouer pour les contre les Soviétiques, il faut toujours avoir des ressources fraîches en réserve. Vers le centre, très mauvaise passe de l'eau et heureusement que tout le monde a réagi vite. Quelle mauvaise passe de l'eau qui visait le centre. Là, c'est Goulet. Autre mauvais dégagement. Et la défensive du Canada qui en prend un coup et personne qui se démarque et l'eau a dû renvoyer au centre. Là c'est Middleton en zone adverse et tente de rejoindre le devant du filet. On est à deux par derrière, on passe devant et c'est intercepté. Descente de Shepelev du côté de Vassiliev à Shepelev. Belle feinte, remet derrière à Belialetinov. Un tir, c'est intercepté par Gretzky. Et il y aura une pénalité à l'équipe du Canada. Geste posé autour du filet. L'arbitre de la rencontre est Mike Nowet, un Américain. Et on a Kevin Collins qui est juge de ligne, également Américain. Et Jan Tatichek de la République socialiste tchécoslovaque. Là, c'est Guy Maef qui a porté un coup de bâton à la tête de Pete Peters. Mike Nowet, l'arbitre du match ne l'a pas vu, semble-t-il. Et ça coûte 2 minutes à l'équipe canadienne, tout simplement parce que Peters a rappliqué aussitôt à l'endroit de Guy Maef. Un rappel, Randy Gregg et Steve Eiserman ne sont pas du match ce soir. Bellows et Wilson ont réintégré l'alignement. Dès la mise au jeu, il y a un changement. Tonelli qui va à la place de Messier. C'est l'aéronef, il est seul. Et en bel arrêt de Peters. Ils étaient à deux, juste devant le filet. Un tir qui rate. Là, c'est Kazatonov. Alors que Robinson avait perdu son bâton. Krutov a perdu son casque.
Et il y a un gars qui traîne dans le rectangle tout près de Peters. Un tir et juste dans la vitrée. Larry Onoff s'est mis en échec tout à son tour par Larry Robinson et s'étend tout son long et retient le disque sous son poids. Là, ça va mal et Robinson aurait pu écoper d'une pénalité. Et l'équipe canadienne se serait retrouvée à court de deux hommes. À deux reprises, Robinson y est allé avec beaucoup de fermeté à l'endroit de Cota. Je dirais même avec trop de fermeté. Avec un peu trop d'ardeur. Et là, c'est la descente de Larry Onoff. Tout simplement parce que Robinson avait pris Cota en chasse. Et ça donne une champ libre à Larry Onoff. Bel arrêt de Pete Peters. Aussitôt après, Robinson a été frustré. Il en avait perdu un gant sur le jeu. Est revenu vers Kutoff, à qui il a appliqué deux bons coups de poing à la tête. Noël a tout regardé. Et heureusement pour l'équipe canadienne, c'est Robinson qui s'est laissé choir sur le disque après coup. Et voilà Tikhonov qui accueille ses joueurs au bas. C'est l'attaque à 5, le tourbillon rouge, qui encore une fois donne du mal à la défensive canadienne. 1-12 à la pénalité. Avantage du côté des Soviétiques qui ont marqué 4 fois en 21 tentatives contre 5 en 23 pour le Canada depuis le début de cette troisième édition du tournoi de la Coupe Canada. On s'amène dans l'enclave. Là, c'est Pierre Lemieux qui en tire et la rondelle est libre. Intervention de Lowe et on a jugé que la passe avait été faite avec la main. C'est donc refusé. On recommencera juste un peu à l'extérieur du grand cercle rouge à la gauche de Pete Peters. Et là, il ne faudra pas que les joueurs de l'équipe canadienne se laissent distraire par les Soviétiques. Ils commencent à presser le pas et insistent davantage en zone offensive. Et surtout avec l'avantage numérique d'un homme, il faut savoir contenir son sang-froid. Et là encore, Lowe a tenté de s'en prendre à Yashin. Et ce sont ces petits gestes, finalement, qui provoquent des étincelles et qui coûtent des pénalités. Quelquefois, ces gestes sont même voulus par les Soviétiques, eux qui savent que les Canadiens ont le sang chaud. Là, c'est Ilya Ledinov qui remet le disque pour Ponema. On ne peut dégager. Ça sera refusé aux Soviétiques. On a touché à la rondelle plus haut que la hauteur normale des épaules. C'était Yashin et Nowet, l'Américain, l'arbitre, a jugé qu'on devra recommencer à l'extérieur. Pour démontrer toute la puissance de l'équipe soviétique, dans l'autre match, le dernier match qu'on a vu avec les Soviétiques, dans un jeu de puissance, Tikhonov y est allé avec trois trios différents, accompagnés de leur paire de défenseurs, puisqu'on joue toujours en unité. Et les trois trios ont roulé à la même vitesse, de la même façon, donnant du mal à la défensive canadienne. Dégagement complet, 25 secondes avant le retour de Rick Middleton. Pervoukin vers Yashin et un beau jeu là de Bossy qui oblige les Soviétiques à se regrouper loin dans leur territoire, ce qui permet de gagner des précieuses secondes. Au bas, Middleton est prêt à revenir. Il reste 3 secondes. Et un autre beau jeu de Bossy qui remet prudemment derrière à Robinson. Middleton est de retour vers Bossy. Il perd à Varnakov et aussitôt vers Svortsov. Svortsov un tir. Sec. Décoché sans avertissement. C'est l'arrêt de Pete Peters. Bien, la pénalité a pris fin et on se retrouve à forces égales. Et Bossy y est allé de deux excellents jeux dans sa dernière sortie. Bossy qui encore ce matin a déployé les manchettes en disant si Harbour avait été ici, ça aurait peut-être été différent. C'est la Coupe Canada 84 qui se poursuit dans un moment au réseau TVA. 10 minutes et 45 encore à jouer en première période. Aucun but n'a été marqué jusqu'à maintenant. C'est le trio de Gretzky, Goulet et Rick Middleton sur la patinoire avec comme Huddy et Wilson comme arrière. Huddy voit la rondelle lui échapper. Cependant, il poursuit sa course. Huddy toujours vers Goulet, mais la passe était à trois pieds de la glace. Goulet qui travaille contre Kovin. Gretzky et Middleton sont également de ce côté-là. Svortsov qui envoie au centre. Varnakov qui se dégage. Varnakov avec Huddy. Varnakov hésite. Oh là, Starikov seul et un tir. Peters qui a fait l'arrêt. Gretzky ne peut prendre le disque. Là, c'est
un tir de Goulet. Arrêt de Mishkin et la relève s'en va chez les spectateurs. Et il y avait définitivement une pénalité car le geste posé à l'endroit de Gretzky était très évident. Les Soviétiques sont capables de faire sauter les pieds de n'importe quel rival sans écoper de pénalité. Je pense qu'ils ont toujours l'arbitre dans leur champ de vision, puis quand l'arbitre ne regarde pas, ben là, on frappe. Ah, pauvre Gretzky a fait un bond d'environ 3 pieds avant de s'étendre tout son long. C'est Starikov qui passait derrière lui. Mine de rien. Et là, Gretzky a regardé l'arbitre Nowit, mais je pense que Nowit ne l'a pas vu. Au premier entracte, nous aurons comme invité Michel Goulet et Wayne Gretzky. En plus des faits saillants avec Jacques Saint-Jean et Pierre Durival. 10 minutes exactement à jouer en première période. C'est toujours 0-0. Messi à la mise en jeu. Lowe qui garde le disque chez les Soviétiques. Gartner qui remet derrière. Et là, la rondelle est touchée par Messier, mais perdue plus loin. C'est Messier dans le coin, remet du côté d'Anderson. Il a quelques secondes pour manœuvrer, mais on ferme l'ouverture aussitôt. Bourque n'a pu empêcher Vassiliev de prendre le disque. Ça passe à lui en direction de Chepelev et raté, de sorte que les Soviétiques auront à subir une mise en jeu dans leur territoire à nouveau. Et Bourque a eu de la veine sur le dernier jeu. Il est allé mollement avec le bout du bâton, travaillant d'une seule main. Et il s'en fallut de peu pour que Vassiliev s'envole avec le disque. Alors, en 1976, le Canada a battu l'Union soviétique 3-1. C'était une mauvaise année pour l'Union soviétique. Et en 81, bien, victoire du Canada 7-3 et renversement en finale. C'était un moment bien mal choisi. 8-1, la victoire de 8-1. Et bien, cette année, vous savez ce qui s'est produit dans la ronde préliminaire. Victoire de 6-3 des Soviétiques. Mishkin qui remet à sa droite. Là, c'est Coffey, autre tir par-dessus la cage. Et une passe qui sera prise au centre par Coffey, maintenant dans son territoire. Vers Robinson. Robinson cherche une ouverture. Personne ne se démarque. C'est fait du côté de Bob Bourne. Bourne contourne le filet, est amené dans le coin, dans l'autre coin, par un joueur de l'équipe soviétique, c'est Belialetdinov. On veut rejoindre le devant du filet, mais c'est raté. Intervention de Makarov qui aussitôt est mise en échec par Belos. Là, c'est Larionov. Larionov s'arrête. Retourne le disque du côté de Krutov. C'est manqué. Là, c'est la descente de Coffey. Coffey toujours vers Belos, mais je pense que Coffey avait devancé celui qui s'amenait en zone adverse, Belos. Alors, d'autres changements annoncés. Belos n'a pas joué dans le dernier match, de même que Doug Wilson. Et ce soir, eh bien, il est revenu en compagnie de Peter Stachny et Bob Bourne. C'est un trio qui a éprouvé beaucoup de mal dès sa première sortie. Mais les changements sont très nombreux. Doug Wilson est également de retour chez les Soviétiques. Eh bien, il y a un absent, c'est Kojetnikov et Kovin, comme vous le savez. Lui qui a dû recevoir 25 points de suture au front et de retour au jeu. Centre de la patinoire, Tonelli et Wilson. Épreuve de force juste devant le banc des pénalités. Claude, ça a sans doute fait chaud au cœur aux joueurs quand ils ont fait leur entrée sur la patinoire, voyant qu'il y avait un peu plus de gens qui venaient les applaudir, parce qu'on doit dire que de ce côté-là, on n'a pas été gâtés. Non, pas tellement, non, parce que les foules ont été très faibles dans l'ensemble au cours du tournoi. Je pense qu'il n'y a eu que 117 000 personnes. C'est ça, pour une moyenne de 7 200. Là, aujourd'hui, je pense qu'on a autour de 13 ou 14 000, ce qui est très réconfortant pour les joueurs, sachant qu'ils sont appuyés. Semyonov tire et rate. Yashin touche la rondelle. C'est repris plus loin par Sutter. Ensuite, Tonelli, harcelé par derrière. Là, c'est Stelnov qui reprend, retourne le disque du côté de Yashin vers le centre. Semyonov perd et c'est repris par Starikov. Il perd à Bossy. On se le dispute en territoire neutre. Là, c'est Yashin qui reprend
des mains de Chepelev et on le fait écrouler, on passe devant et c'est intercepté par John Tonelli. On va procéder à certains changements du côté de l'équipe canadienne. Tonelli vise le coin et c'est aussitôt Zoukov qui perd. Abbasi tente de remettre devant et Mishkin doit faire vite. Starikov qui reprend, Chepelev qui retourne le disque au centre, c'est repris par Bourque, aussitôt le remet à Lowe par la rampe et Mishkin est venu près de se faire jouer un tour. La rondelle qui lui a échappé quand il était derrière le filet. Là, Lowe vers Rick Middleton. Rebrousse chemin et ça retourne du côté de Gretzky. Gretzky qui met en échec Starikov. La rondelle est finalement reprise par Goulet qui la retient du côté des Soviétiques. Gretzky veut repasser le disque dans l'embouchure du filet. Et le geste se termine à l'autre bout lorsque Lowe touchera la rondelle et la passera à Middleton, à Goulet. Mauvaise passe de ce dernier vers Gretzky. Centre de la patinoire, maintenant en territoire adverse. Un tir de Svortsov et arrêt de Pete Peters alors qu'il y avait beaucoup de circulation devant lui. C'est la Coupe Canada 84 qui se poursuit dans un instant au réseau TVA. En première période, c'est toujours 0 à 0. Les Soviétiques me font penser à un boxeur qui se permet une ronde de repos. Au cours des dernières minutes, ils ont étudié la situation. Les Canadiens ont semblé leur donner du mal, mais seulement 3 tirs au but jusqu'ici contre 9 pour les Soviétiques depuis le début du match. Gardner qui décampe. Une passe qui effleure le patin de Chepelev et on doit revenir chez les Canadiens. Robertson qui retourne le disque à sa gauche est intercepté. Pervoukine plus loin. Tire par la rampe. Intervention de Peters. Plus tard, c'est Robinson. Et le disque s'en ira jusqu'à l'autre bout. Et ce sera refusé quand Pervoukine touchera à cette rondelle avec 6 minutes et 8 secondes encore à jouer en première période. C'est toujours 0 à 0. Voilà Pervoukine. C'est un vétéran avec l'équipe. Il a rejoint les rangs de l'équipe nationale en 1978 et à plusieurs tournois, en fait, à son palmarès et a participé aux deux derniers Jeux olympiques. Et c'est un solide défenseur. C'est le pilier présentement avec Kazatonov à la défensive de l'équipe soviétique. Chepelev qui ne peut passer outre Coffey, doit laisser le disque du même coup. Coffey qui reprend vers Gardner. La rondelle lui échappe. C'est la course avec Pervoukine. Mishkin qui doit sortir. Retourne le disque au centre. Et là, Anderson, lui qui voulait vraiment se précipiter en zone adverse, sachant que Mishkin était sorti de son filet. Mais il est venu trop tôt puisque Anderson était déjà de l'autre côté. Glenn Anderson, eh bien, aujourd'hui, les joueurs des Oilers, la bande des Oilers a eu droit à des critiques. Et les journaux avaient gardé la chose très secrète, les journaux de l'Alberta avaient gardé la chose très secrète jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, eh bien, la bouilloire a sauté et on a tout raconté. On a dit ce qui s'est passé dans l'équipe canadienne depuis le début du tournoi. Et on a rappelé que Glenn Anderson lui avait le record des pénalités stupides. Oui. Alors, là, c'est Larionov à Starikov. Starikov amené dans la bande par Bourque. Il a perdu, là c'est Stelnov, un tir qui rate. Connelly qui reprend, décampe. Là vers Sutter qui est complètement retenu par Stelnov. Il y aura une pénalité à l'équipe de l'URSS. Peters qui quitte son filet à la faveur d'un autre joueur. Et là, Mishkin a échappé et c'est venu près de réussir. Il a dû faire vite, cependant la rondelle était juste un peu à droite de la cage. Revoyons le geste. C'est Starikov qui a failli être pris à contre-pied. Le lancer était précis, pas tellement lourd cependant. Mishkin a échappé le disque. Et il y a une pénalité également qui est annoncée à l'équipe soviétique sur le même jeu. Alors qu'on revoit le dernier tir de Tonelli, Mishkin qui a dû se hâter. Mishkin qui était dans le filet, lui, quand le Canada avait vaincu l'URSS 7-3 en 81. Je pense que c'est Makarov qui est pris en défaut. C'est ça. C'est Makarov. Makarov est allé s'asseoir au banc. Et il regarde Norwood. Un regard qui en dit long. Makarov, c'est sa deuxième pénalité du tournoi.
Alors, l'équipe canadienne a marqué 5 buts en 23 jeux de puissance depuis le début du tournoi. Là, en territoire de l'URSS, Gretzky qui veut rejoindre Goulet de l'autre côté. Et là, c'est Bossy, finalement, utilisé sur l'attaque à 5. Bossy à Gretzky, par derrière. Et devant, et un arrêt de Mishkin au départ de Goulet. On doit regagner son poste rapidement en défensive, puisque les Soviétiques ont aussitôt rappliqué après l'arrêt de Mishkin au départ de Michel Goulet. Il faudra spéfier continuellement lorsque Paul Coffey sur la patinoire avec Wilson, les deux aiment avoir la rondelle décocher des tirs. Varnakov, encore une fois, fera peut-être lui qu'il se trouve du ruban gommé, qu'il l'attache solidement, son casque. C'est la deuxième fois qu'il le perd. Et voilà Mishkin qui effectue l'arrêt après cette tentative du jeu de puissance de l'équipe canadienne. Il y a Goulet dans la mêlée, Gretzky à sa façon coutumière qui est allé s'abriter derrière le filet de Mishkin. Et sur le même jeu, Coffey est venu à tenter d'appuyer l'attaque des siens. Il s'était aventuré très loin en zone adverse. Et aussitôt, on a vu les Soviétiques sauter sur une rondelle libre et mener la contre-attaque avec seul Wilson. Et finalement, c'est Wilson qui a eu le dernier mot au départ de Varnakov. Là, je ne sais pas ce qui se passe, mais on met du temps à changer, à apporter des changements. Ça rouspète au bas, c'est Varnakov qui n'est pas tellement satisfait. C'est que Tikhonov a procédé à deux changements de suite. Et là, Mike Nowit, l'arbitre américain, a dit que les quatre joueurs qui étaient là précédemment devaient revenir sur la patinoire. Et Tikhonov, lui, est tout éberlué, il n'en revient pas. Que c'est l'arbitre qui dirige son équipe. 1:20, 2 secondes encore à la pénalité à Makarov. Mishkin qui ne prend aucune chance alors que Anderson et Middleton s'amenaient en trompe. Et on a encore vu le geste de Glenn Anderson. Mishkin avait bel et bien la situation en main et Anderson est venu par derrière puis lui a sonné un coup de bâton. Mais avant, il l'a enseveli, la poussière de glace. Incroyable. Alors, est-ce que Mishkin se souvient de cette défaite de 7-3-81? Il semble un peu chancelant sur certains. Regardez le geste de Anderson. Voilà. Alors, comme ça. La tempête de neige, puis la petite bousculade après coup. Anderson a agi de cette façon-là depuis le début du tournoi. Et d'ailleurs, il y a des statistiques qui sont assez révélatrices. Les joueurs des Oilers dans le tournoi ont été écopés de 32 minutes de pénalité. Tout le reste de l'équipe en a reçu 20. Alors, on a parlé d'indiscipline. Sater n'est pas tout à fait d'accord avec tout ce qui s'est dit et a accusé certains journalistes d'y aller un peu fort. Je ne sais pas si aujourd'hui on a eu écho de tout ce qui s'est décrit dans l'Est, mais la presse albertaine, finalement, s'est aperçue qu'il y avait des joueurs en trop, ou il y avait peut-être des joueurs qui n'avaient pas d'affaires là, ou peut-être encore, Sater n'a pas fait tout à fait ce qu'il devait faire. Je l'ai repris, Goulet à Robinson, à Goulet, à Gretzky, à Robinson, un tir, arrêt de Mishkin, long retour, et la rondelle est reprise par Bossy, aussitôt à Bourque, puis à Robinson, vers Bossy, la rondelle lui échappe, elle va jusque dans le coin, par derrière à Gretzky, qui regarde la situation, à Robinson, et frappe le poteau, je crois, c'est Robinson qui a quitté son poste et de loin à Gretzky. Il hésite beaucoup trop et devant à Bossy, on le fait couler. Et la rondelle qui se promène là devant Mishkin de façon incroyable. En contre-attaque, finalement, alors qu'il reste 25 secondes, c'est Krutov qui gagne du temps. Renvoie derrière à Bilialetdinov qui vise le coin. La rondelle est touchée au passage par Robinson qui remet aussitôt à Glenn Anderson. Accélère, remet derrière à Gotte et un tir. C'est arrêté par Mishkin et Gretzky, mis en échec par Stalikov. La rondelle ira jusque sur le bâton de Gartner, mis en échec par deux joueurs de l'URSS, notamment Krutov. La pénalité à Makarov est terminée.
et on joue à armes égales alors qu'il reste 3 minutes à jouer en première période et c'est 0-0. Coffey vers Anderson et là c'est refusé du côté de Messier. C'est la Coupe Canada 84 qui se poursuit dans un moment au réseau TV. J'ai du mal à m'expliquer, Jacques, pour quelle raison une attaque à 5 ne se sert pas davantage de ses points d'appui lorsqu'on se retrouve avec des hommes comme Doug Wilson, qui possède un puissant tir, et Paul Coffey, qui est très précis. Versé de Stelnoff, mais l'autre 4. Kevin Law, lui, enlève le disque. Ancien porte-couleur des Remparts de Québec, le type de la chute. Là, c'est Bourque qui se fait enlever le disque et c'est Chapelet qui a tiré vers Peters, c'est intercepté par Bourque, qui a perdu, mais un beau repli de Bourque fait que le Canada peut prendre possession du disque. Mauvais jeu de Bourque, mais peut continuer quand même son chemin. Une des rares présences de Peter Stastny, sa deuxième, je crois, en première période. Zoukov qui est poursuivi par Bourque. On fait perdre le disque au porteur du disque, justement. Et là, Bellhose s'amène en zone adverse. Un tir et Mishkin qui fait l'arrêt. Beau tir de Brian Bellows et le jeu de Peter Stachny qui a jeté un rival hors de sa course, donnant le chemin libre à Brian Bellows. Et de toute évidence, Peter Stachny n'est pas au tiers de sa forme. Il n'a pas l'étincelle qu'on lui connaît. Ses démarrages ne sont pas aussi secs. Il ne patine pas avec le même entrain. Et on s'aperçoit que la forme tarde à venir. Qu'est-ce qui s'est passé? Peter s'est plaint au cours de la semaine qu'il n'avait pas joué assez souvent et que les nombreux changements de trio l'avaient incommodé très sérieusement. Centre de la patinoire. Makarov, le numéro 24, s'amène à son adverse, tente de déjouer la défensive et son revers est venu près de déjouer le gardien Peters. On remet par derrière. Là, c'est une chute. Autre bousculade. Finalement, c'est Kazatonov, un tir. La rondelle s'en va jusque sur le bâton de Bossy. La sienne pour Sauter est interceptée par Kazatonov. Plus loin, c'est Zoukov et à Kazatonov. Centre de la patinoire. De nombreux échanges en fin de première période. Alors que les spectateurs ici applaudissent la chute de l'arbitre américain Nowet. Jusqu'en zone adverse, Berbukin advance et Gardner. Moins d'une minute à jouer en première période. Personne pour recevoir la passe de Messi en diagonale. Gardner qui frappe tout ce qui bouge. Et le long de la clôture, autre mise en échec à l'endroit de Varnakov venant de Charles Huddy. Là vers Gardner. Varnakov sur les talons. Et là, c'est Gardner qui fait une chute. Gardner se relève. Gardner toujours, il tire. Et c'est l'arrêt de Mishkin. Contre-attaque, Svortsov en tête jusqu'à Varnakov. Et un arrêt de Peters qui s'ensuit. Peters, lui, dégage son territoire autour de Pervoukin maintenant à se remettre en marche jusqu'au centre de la patinoire. Et on retourne le disque chez les Soviétiques. Un peu trop rapidement. Il reste 12 secondes à jouer au premier tiers-temps. Dans l'ensemble, Jacques, c'est une bonne période pour les joueurs de l'équipe Canada. Ils ont bien patiné, et ce, grâce aux nombreux changements que Sauter a fait. Il a suivi tout simplement le patron de jeu de Tikhonov, sans nécessairement jouer trio contre trio, puisqu'il y a eu beaucoup de changements au cours de la première période. Et on n'a pas vu ce déclin non plus qu'on avait décelé à la fin de la première période du dernier match entre les deux équipes, alors qu'on sentait visiblement que la machine rouge était à être sur le point d'écraser l'adversaire. Kevin Law qui a retourné le disque profondément chez les Soviétiques. Bourque maintenant touche à la rondelle au centre, mais on a jugé qu'on recommencera juste en territoire neutre, alors qu'il reste une seconde, le temps de remettre le disque en jeu. Gretzky qui n'a pas marqué un seul but depuis le premier match du tournoi, c'est probablement l'une des plus longues léthargies de sa carrière. Gretzky qui a été nommé cependant à deux reprises le joueur du match.
au même titre que Krutov chez les Soviétiques. Et au moment où les joueurs regagnent leur vestiaire de part et d'autre, et notamment les joueurs de l'équipe du Canada, eh bien, ils sont applaudis. Les gens ont aimé ce qu'ils ont vu lors de ce premier engagement qui se termine par une marque de 0-0. Et avec 10 lancés de chaque côté. Donc, c'est nul partout. Une pause, c'est la Coupe Canada 84 qui se poursuit dans un petit moment au réseau TVA. Alors, une première période qui vient tout juste de se terminer. Le sommaire est quand même très rapide à faire. Aucun pointage, c'est 0-0, 10 lancés de chaque côté du filet. Et nous aurons l'occasion, dans quelques secondes, de nous entretenir avec Michel Goulet. Michel Goulet qui est là, qui vient tout juste de se joindre à nous. Michel, une toute première période, ça ne devait pas être facile, ça s'est disputé à un rythme absolument effréné. Oui, je pense que depuis le début de la rencontre, ça patine très vite et puis ça se passe très bien la rondelle. Alors, c'est quand même un excitant match de hockey. Oui. Est-ce que, Michel, parce qu'on se doit quand même de parler de cette préparation au match, est-ce qu'il y a eu quelque chose de spécial à ce niveau-là? Des recommandations d'instructeurs, par exemple? Bien, c'est sûr qu'on avait quand même un plein de jeux avant de commencer. Puis, disons que, venir jusqu'à présent, ça va assez bien. C'est, disons que les Russes ont essayé, ont peut-être dominé un peu la première moitié de la première période, mais en deuxième moitié, je pense qu'on a eu le dessus sur réseau. Je pense que jusqu'à maintenant, le système va très bien. Parlons justement de système. On a eu l'occasion, lors du premier match contre les Soviétiques, de voir l'équipe Canada, à un certain moment donné, s'effondrer. Mais il y a eu un autre moment, une vague, vous êtes remonté. Est-ce que vous avez en tête, justement, ce moment-là où vous avez senti réellement que vous étiez capable de battre les Soviétiques? Bien, je pense que c'est sûr qu'en match pré-tournoi et puis le dernier match contre les Russes, disons que ça a été un match quand même assez chaudement disputé. C'était, des deux derniers buts. Oui. C'est ce qui fait quand même, dit pas ce que la rencontre a été. Alors, je pense qu'on croit qu'on est capable de les battre et puis je pense que c'est ça qui est principal. Une question, Michel. La pression, en fait, et nous sommes probablement les coupables, quand je dis nous, les médias en général et le public derrière, il y a une énorme pression derrière vous ce soir, sur vous au cours de ce match. Est-ce que vous la sentez réellement? Bien, c'est sûr que tout le monde ne pense pas qu'on va gagner. Alors, ça donne quand même un petit peu moins de pression, mais quand même, on veut gagner et puis on veut prouver qu'on est un des bons clubs au monde. Alors, je pense qu'il faut absolument gagner ce match. On va parler du jeu de puissance qui a semblé fonctionner. En fait, vous avez tout fait sauf marquer. Tu as, de ton côté, raté peut-être deux occasions. Oui, disons que j'étais devant le but et puis Wayne m'a passé la rondelle. Et, disons que le joueur de défense m'a retenu au même moment. J'étais incapable de la soulever, mais c'était quand même un bon lancer. Disons que Michigan a fait un très bon arrêt. On parle de tension, on parle évidemment de nervosité chez les membres d'équipe Canada. Est-ce que vous, les joueurs, vous sentez un peu la même chose chez l'adversaire? Est-ce qu'ils sont plus tendus ce soir? Je pense que oui. Je crois qu'on sait que les Russes, lorsqu'ils ne dominent pas une partie, ils viennent un peu frustrés. Puis on voit comme là, ils ont pris une punition dans la zone centrale, ce qui est très rare pour les Russes. Alors, je pense qu'on voit un peu la frustration. Mm-hmm. On a parlé, et ça, on y revient, et je reviens évidemment pour la dernière fois, parce que je dois vous avouer qu'on aura une entrevue qu'on a réalisée avec Wayne Gretzky un peu plus tôt. On a parlé d'animosité chez l'équipe. Est-ce qu'elle est disparue ce soir? Oui, je pense que là, on est ici, puis on veut absolument les battre, et puis on s'est donné toute la main. On n'a pas eu un gros tournoi, mais je pense que ce qui était principal, c'est gagner cette partie, puis penser en finale. D'accord, merci et bonne chance, Michel. Merci. Coupe Canada 84 se poursuit dans un instant au réseau TVA. Tantôt, en ce qui concerne cette entrevue avec Wayne Gretzky, je dois vous avouer qu'après avoir vu ses 20 premières minutes de jeu, alors que le Canada réellement a joué en équipe, et de penser aux questions qu'on vient de poser avant le match à Wayne Gretzky, c'est peut-être assez compliqué. Mais vous allez voir de toute façon qu'on se devait de le faire, puisque depuis le début du tournoi, on parle d'animosité au sein de l'équipe Canada. Voyons voir ce qu'a nous raconté Wayne Gretzky. Depuis le tout début de la série, depuis le début du tournoi Coupe Canada 84, il y a deux hommes qui ont énormément de pression sur les épaules. L'instructeur Glenn Sater et bien sûr le célèbre 99 Wayne Gretzky. Wayne, since the beginning of that Canada Cup series, you had a lot of pressure. How do you feel with that pressure from everybody, including us, the media? Well, first of all, pressure is part of professional hockey. I think that to be a professional athlete, you have to expect that pressure is going to play a great part in it. I think the fact that there is 8 Oilers on the hockey team has added to that pressure and it's made it a little bit more difficult. Fingers are being pointed at our hockey team, but hopefully tonight we can erase all that. Je traduis rapidement. Bien sûr, il y a énormément de pression, mais quand on est un athlète professionnel, joueur de hockey ou autre, on se doit évidemment de supporter cette pression-là. Et qui plus est, avec 8 joueurs des Oilers d'Edmonton sur cette équipe, on sait qu'on sera pointé du doigt si ça ne fonctionne pas.
can we say that we have Team Canada or Team Oilers right now? Well, you have to say that it's Team Canada. I think that one of the problems we've had is that people are trying to separate, and you can't be like that. Everybody has to be one, and you know, definitely our players are feeling a little edgy right now. The fingers being pointed at our hockey team, but we can't feel like that. You have to feel as a team, and that's one of the reasons why this club has a little bit of trouble, because there has been some animosity about the players on the club. Alors, Wayne est quand même très franc. Il dit qu'effectivement, il y a eu de l'animosité au sein de l'équipe, que c'est difficile d'essayer de réussir cet amalgame, ce mariage entre les joueurs des Oilers et les joueurs, les autres joueurs d'équipe Canada, mais que malgré tout, c'était le but fixé dès le départ, d'avoir une équipe et qu'on s'attendait peut-être à avoir ces problèmes-là. Is there a special game plan for tonight, Wayne? I think that our game plan tonight is that we know how good they are. We know what they're going to do. It's time that we proved how good we are and what we're going to do. And we have to use our talent and hard work tonight and just worry about our club. And if we do that, we'll win the hockey game. I hope when we'll hear that interview that you're going to be leading after the first period. I hope so too. Alors Wayne Gretzky rapidement qui vient de nous dire qu'on espère bien sûr gagner. Le but du match, le plan de match, c'est de travailler très très fort tous ensemble afin de gagner. Coupe Canada 84 se poursuit dans un moment au réseau TVA. Après une période de jeu, 0-0. Jacques Saint-Jean, l'équipe Canada a sûrement réussi à faire quelque chose de bien pour arriver à ce résultat-là. Ben, 7 heures pour un. Exige des présences plus courtes, c'est déjà beaucoup ça. J'espère qu'il va continuer, qu'il ne cassera pas comme la dernière partie. Oui. Les joueurs frappent, mais non pas pour défoncer, pour neutraliser. Les défenseurs transportent moins la rondelle. Et la seule faiblesse du Canada présentement, c'est un contre un. Lorsqu'ils vont près de la bande, là, on joue la rondelle au lieu de jouer l'homme. Dans le reste, le Canada joue aussi bien que les Russes. Ils jouent ce soir son style si bien que les Russes n'ont pas pu manœuvrer comme ils l'ont fait dans d'autres parties. Est-ce qu'on peut dire à ce moment-ci, parce qu'il reste encore deux autres périodes, que chez les joueurs professionnels, et Dieu sait qu'ils nous le disent souvent, c'est quand on sent véritablement la pression jusqu'au bout, on est en mesure de rebondir? Mais dans le cas d'équipe Canada, je pense qu'ils ont été éveillés deux fois dans cette série. Oui. C'est il y a deux jours contre les Soviétiques et ce soir encore. Ils n'ont pas été chanceux il y a deux jours. Le plan de match n'a pas fonctionné. Là, il reste deux périodes. Si c'est eux continuent d'exiger des périodes courtes et qu'on couvre bien le centre de la patinoire et qu'on ne transporte pas inutilement la rondelle de la part des défenseurs, on peut espérer gagner. Voyons quelques séquences qu'on a retenues de cette Les deux gardiens de but ont été excellents. On va voir Larionov qui arrive avec deux coéquipiers devant Peters, qui va arrêter la rondelle de sa jambière droite. Là-dessus, Peters ne s'est pas compromis. Il a attendu que Larionov bouge et Larionov était pris avec des bras en pleine extension. Deuxième séquence. Deuxième séquence, c'est Goulet qui va recevoir une rondelle en avant. Bossy bien placé. Mishkin, à son tour, fait un bel arrêt avec la jambière gauche. Gretzky de sa position habituelle, d'ailleurs. Oui, on voit bien. Et Bossy à sa position habituelle et Goulet aussi. Ce sont des gars qui bourdonnent généralement près des buts. Ici, on voit Anderson là, qui a besoin d'être rappelé à l'ordre. Oui. Par deux ou trois reprises en première période, dans des petits coups qui vont lui... Ça peut coûter cher à un certain moment donné. Ça va mériter des punitions inutiles. Ouais. Ben, c'est ça. Quand on parle d'indiscipline, on en avait, je pense, un exemple concret. Là, la façon dont il a fonctionné, on aurait pu avoir un deux minutes là-dessus. Il l'a fait deux ou trois par après sur un autre joueur. Et je pense que c'est tout ce doigt entre la première et la deuxième de le rappeler à l'ordre. Une deuxième période, si elle est disputée dans le même type ou avec le même élan que la première, est-ce que l'équipe Canada, encore une fois, on se pose cette question-là, est-ce qu'on est en mesure de garder le tempo? Oui, à condition que durant la période, derrière le banc, c'est eux interviennent, qu'ils limitent un peu Tikhonov, qu'ils n'assistent pas à la partie, mais qu'ils dirigent chez eux, ces joueurs. En d'autres mots, ça se résume, le succès ou l'insuccès du Canada à ce moment-ci, du côté de l'instructeur, c'est derrière le banc, la stratégie. D'après moi, c'est au moins 50% de l'équipe ce soir. Alors, c'est bien entendu ce qui reste à voir. Deux autres périodes. La foule joue, j'ai l'impression, pour beaucoup. J'ai rencontré certains joueurs avant le match. On a cet énergumène, ce bonhomme que l'on appelle le super fan qui suit partout. On sent véritablement la foule derrière l'équipe Canada et les joueurs savent pertinemment qu'ils sont appuyés ce soir. Ça peut aider parce que les joueurs canadiens habituellement sont orgueilleux. Ils connaissent l'importance du match et la foule, ils communiquent une certaine réaction
émotive. Oui. Je pense que les joueurs, tout en suivant le plan de match, peuvent espérer ce soir sortir avec une victoire. On a eu l'occasion de rencontrer à plusieurs reprises, encore une fois aujourd'hui, que ce soit dans le lobby de l'hôtel. On a causé avec Michael Bossy, tantôt Michel Goulet et Wayne Gretzky. Les gars sont devenus très, très francs. En fait, la série qui se termine, puisqu'on atteint déjà la demi-finale. Et on sent véritablement qu'on a peut-être, comme un vrai professionnel, oublié véritablement les querelles intestinales et qu'on joue au hockey en équipe ce soir. Mais ça, c'est un peu grâce à la foule, grâce à l'importance du match. Et j'espère qu'on sentira une équipe ce soir. On ne l'a pas senti, l'équipe. On l'a senti un petit peu il y a deux jours, mais malheureusement, les quatre ou cinq semaines ne nous ont pas permis d'avoir une équipe homogène comme les Soviétiques en avaient une. Deuxième période, dans un petit moment, rappelons que Coupe Canada 84 se poursuit au réseau TVA. Et on attend les Soviétiques alors que l'équipe canadienne est là depuis un petit moment. On y va du côté du sommaire qui est assez facile puisqu'il n'y a eu aucun but. Les tirs de chaque côté 10 fois. Et parmi ces tirs-là, il y a Robinson du côté du Canada qui en a 3. Goulet et Gartner en ont chacun 2. Et du côté de l'URSS, le meilleur a été le numéro 26, Svorza. Alors Claude, j'aimerais revenir sur un petit point soulevé par Michel Goulet. Les gars, ils ont dit, on va oublier ce qui se passe dans le vestiaire, en ce sens qu'on va oublier cette animosité. On va oublier qu'on a fait grand état de équipe Oilers et équipe Canada. On veut tout simplement leur prouver qu'on est capable de jouer hockey et on veut gagner le match et ça a paru au premier engagement. D'ailleurs, je pense que c'est très important et c'est une réaction très positive de la part de Goulet et de tous ses coéquipiers. Et je le mentionnais cette semaine à l'effet que pour une fois, on n'a pas à blâmer les joueurs. La fierté est là, le cœur est là aussi. Les joueurs, c'était des volontaires prêts à travailler, prêts à bien représenter leur pays. Sauf que ils ont été victimes des circonstances qui se sont traduites par de mauvaises décisions au niveau de la sélection, tout d'abord. Ensuite, des changements qui ont été, qui sont demeurés inexpliqués, pour ainsi dire. Et une foule de petites choses en cours de route, notamment des petites faveurs aux joueurs des Oilers. Et entre autres, à Edmonton, ce qui s'est produit après le match contre les Soviétiques, il y avait les joueurs des Oilers, naturellement, ils sont chez eux, à Edmonton. Alors plusieurs avaient leur voiture ou d'autres, entre autres, il y avait deux autres joueurs des Oilers qui sont venus en compagnie de Wayne Gretzky. Alors après le match, ils sont retournés avec leur voiture. Et le reste de l'équipe, les autres qui viennent de l'Est et les autres clubs de la Ligue nationale attendait carrément sur le trottoir, pas d'autobus, et quand on sait que c'est pas facile d'avoir un taxi à Edmonton, ce sont ces petites choses qui ternissent l'esprit d'équipe, l'enthousiasme qui doit habiter toute une équipe dans une compétition aussi importante, aussi courte d'ailleurs, et encore ce soir, on est dans un match suicide. Et les joueurs, aujourd'hui, se sont regroupés en se disant, mais il nous en reste peut-être un match, mais essayons de donner le meilleur de nous-mêmes pour faire en sorte que l'on sorte de ce tournoi, pas diminué aux yeux du public canadien, même si on ne remporte pas la victoire. Au moins, ils verront que nous aurons donné notre pleine mesure, que nous aurons donné tous les efforts que nous pouvions donner. Eh bien, le résultat, on verra ce que ça donnera. Claude, changement de sujet, est-ce que tu as été un peu surpris de voir que Saunders choisissait Peters à la place de Lemelin? Lemelin qui, au Saddle Dome ou à Calgary, a toujours eu pas mal de succès. Il y allait avec Peters qui, lui, avait été fait sur certains buts contre la Suède à Vancouver. Je pense que tout le monde a été un peu surpris. On a été surpris, mais dans le fond, ça s'explique, sa décision. Et elle n'a pas été prise toute seule. J'imagine que Sater a dû consulter bien du monde avant de prendre cette décision, surtout en revenant au Saddle Dome. Il reste que Peters n'a pas joué tellement souvent, mais Lemelin a eu à faire face aux Soviétiques 2 fois. Il n'a pas gagné, et ça reste souvent dans l'esprit d'un gardien. On sait ce qui est arrivé hier à Tom Barrasso. Il s'est écoulé soudainement, sans avertissement. On avait peur que la même chose se produise avec Lemelin. Peters, jusque-là, a bien fait. Mishkin qui renvoie le disque dans le coin, sortie de Makarov, remise aussitôt à Larionov, un tir, oh! Et Peters a dû faire vite, un tir bas, environ 10 à 12 pouces de la glace, et Peters a dû faire le grand écart. Très beau lancer décoché par Larionov, et ce tir était bien dirigé dans la partie inférieure, vers la partie inférieure du filet.
Et Peters, encore une fois, exécute le bel arrêt. Regardez comme il est loin hors de sa cage pour fermer tous les angles. Et malgré tout, il a dû effectuer un arrêt absolument superbe parce que Larionov avait bien dirigé son tir dans la partie inférieure du filet. Alors, Peters a dû exécuter le grand écart. Et on disait justement que Peters a bien tenu le coup jusque-là. Ça augure bien pour la deuxième dans son cas. Gretzky avec l'aide de Middleton et Goulet. Enfin, je dis avec l'aide. Gretzky qui est remplacé à la mise en jeu par Goulet. Et Zvortsov qui vient, lui, prendre la place de Kovin. Starikov, un tir qui va dans le coin. Middleton a voulu faire une passe au centre et il a précipité son geste et ça a été raté. Zvortsov arrêté de belle façon par Bourque. Un tir, c'est l'arrêt de Peters. Zvortsov qui veut rejoindre le devant du filet. Varlakov dans le coin de la patinoire avec le 99 Gretzky. Il lui fait sauter les patins et la rondelle se retrouvera sur le bâton de Mishkin jusqu'à l'autre bout. C'est Starikov qui prend le disque, une passe à sa gauche et la sienne, celle de Bilyaladinov, se retrouve sur le bâton de Makarov plus loin. Et Peters a encore une fois dû faire un grand écart pour éviter le pire. C'est la Coupe Canada 84 qui se poursuit dans un moment au réseau TVA. À bien y penser, nous les Canadiens sommes bien plus que de bons consommateurs. Nous fabriquons également un éventail complet de produits. Aussi différents que nombreux, ils ont tous une chose en commun, la qualité. Nous avons toutes les raisons d'être fiers de nos produits, car ils défient la concurrence dans le monde entier. Acheter un produit fabriqué au Canada, c'est agir dans notre intérêt. Pensons-y bien, pensons aux Canadiens. Au cours des deux dernières années, plus de 170 000 enfants se sont vus attribuer des médailles SO au mérite sportif. Ce programme d'encouragement au hockey mineur n'est qu'un des nombreux programmes communautaires auxquels SO contribue dans toutes les régions du Canada. SO considère qu'il s'agit là d'un excellent moyen de favoriser la croissance et l'épanouissement de la jeunesse. Ce soir, SO est heureuse de décerner la médaille au meilleur joueur de la partie. Alors voilà le dernier jeu, la dernière séquence, c'est le tir de Makarov qui a obligé Peters, encore une fois, à faire vite, à venir gober cette rondelle qui allait bondir derrière lui. Il a tout juste eu le temps de l'attraper au bout des doigts. Et ici, à l'intérieur du Saddle Dome, eh bien, c'est encore la vague humaine qui déferle. C'est Wilson maintenant. Gartner jusqu'à Messier, tente de déjouer Bilyaladinov très fort, a pu lui enlever le disque, Wilson est là, Wilson jusqu'à Messier, mais la rondelle bondit par-dessus son bâton, c'est Bilyaladinov qui renvoie jusqu'au centre à Makarov, et Wilson a sorti son tomahawk. Je ne sais pas si Wilson allait faire le geste, allait poser le geste. Il était prêt à battre un rival. La hache était sortie. Oh. Mais l'erreur est venue de la part de AD. Il avait le dos tourné au jeu, au centre de la patinoire. La rondelle est venue par la rampe et il a tourné du mauvais côté. Je ne sais pas si AD est capable de tourner à sa droite. Est-ce qu'il le sait qu'il joue dans ce tournoi ici? Il savait. Stastny avec Bourne. Là, c'est Robinson, un tir, arrêt de Mishkin, et il a hésité, il a voulu remettre la rondelle en jeu, mais quand il a vu que Brent Sutter était autour de lui, ou plutôt Bourne était autour de lui, eh bien, il a préféré garder la rondelle. C'est Bellows avec Bourne et Peter Stastny. Comme arrière, on a Coffey et Robinson. Il y a un autre changement de ligne refusé par Nowit. C'est Chepelev qui devait sortir et Zvortsov rentrer dans la mêlée. 18 minutes et 23 secondes encore à jouer en deuxième. Là, c'est Robinson qui remet aussitôt à Bellows. Retourne le disque à Coffey, à Robinson, aussitôt à Bellows. Bellows
vise le coin de la patinoire et c'est un arrêt de Mishkin sur le tir de Bourne. Robinson qui ne peut garder le disque en zone adverse. Là, c'est Shepelev. Ça mène dans l'enclave, il tire. Arrêt de Peters. Autre arrêt de Peters cette fois aux dépens de Vassiliev. Bourne hésite. La passe va derrière Peter Stastny, qui a dû s'arrêter. Kazatonov dans le coin de la patinoire. Déjoue un joueur, c'est Bellows, demande d'être remplacé. Gimaev remet du côté de Kazatonov. Là, c'est Robinson qui retient le disque entre ses patins le long de la rampe pour permettre à Glenn Seder de compléter ses changements d'effectifs. Robinson étant, et ça se voit, un peu fatigué. Dans notre demi-finale hier, on vous rappelle la marque, la Suède qui cause tout un émoi en arrachant une victoire de 9-2 aux Américains. On vous rappelle que la finale commencera dimanche. Et là, c'est bien beau de faire des changements, les effectuer très rapidement, mais dans la dernière séquence, l'équipe Canada a pris une chance en entreprenant des changements alors que les Soviétiques étaient en possession de la rondelle. Dans le jeu, dans le style européen, on remarquera très souvent les Soviétiques, les Tchécoslovaques et même les Suédois. Ils effectuent des changements, donnent la rondelle à un des leurs. Il y en a quatre ou trois qui sortent d'un seul coup. Et là, on effectue des changements graduellement tout en conservant la rondelle. De sorte qu'on ne soit pas pris au dépourvu par l'adversaire. Billy Aledinov perd et s'est repris par Bossy vers Tonelli. Mais aussitôt qu'il eut touché la rondelle, eh bien, c'est Larionov qui lui est tombé dessus. Bossy qui remet à Bourque. En zone adverse, à Bossy, il tire et c'est raté de peu. Sergei Makarov, zone adverse, il tire à son tour par-dessus la cage. Contre-attaque menée par Brent Sutter, vise le coin de la patinoire. C'est repris par Bossy, mais en voulant remettre derrière, son geste est imprécis. Wilson de l'autre côté. Bossy jusqu'à Gretzky, à Goulet, et on l'accroche par derrière. Et les Soviétiques seront chassés. Alors c'est la descente, le beau jeu. D'abord la belle passe qui a été effectuée de l'autre côté, complètement à découvert, il y avait Wilson. Il a remis le disque à Gretzky qui est entré dans la mêlée. Et là, l'échappée de Goulet, accroché par Larionov, qui est puni à 3 minutes et 26 secondes. C'est la Coupe Canada 84 qui se poursuit dans un moment au réseau TVA. C'est sa première. Le jeu vient de reprendre. Avantage numérique, équipe du Canada avec Larionov au banc. Coffey qui repasse dans l'enclave et personne pour recevoir. La descente de Varmakov. Un tir, c'est l'arrêt de Peters. Rick Middleton maintenant se remet en marche. Avec à ses côtés Gretzky et Goulet. Là, Middleton remet devant. Intervention de Gimaev. Là, c'est Coffey qui retient le disque chez l'adversaire. Goulet maintenant, vers Middleton, c'est manqué. Bourque qui, cependant, peut toucher la rondelle plus loin. Gretzky vers Middleton, de retour à Gretzky, à Middleton, il tire, et c'est l'arrêt de Mishkin. Alors qu'à ses pieds, il y avait et Goulet et Wayne Gretzky. Il reste exactement une minute à la pénalité à Larionov, sa première du tournoi. Il y a eu trois passes. Voilà la tentative de Goulet. La rondelle qui était au pied de Mishkin. Goulet tente de reprendre et aussitôt, il est rabattu solidement sur la patinoire par l'adversaire. On l'immobilise et la rondelle en même temps. Et là, bien, le temps s'enfuit rapidement. Il reste une minute encore à la pénalité à Larionov. Mais il y a eu, dans la dernière séquence, j'ai compté au moins trois passes à la vue de l'aide. Et pourtant, avec un homme en plus, on a le temps. Il s'agit tout simplement de demeurer en mouvement, de travailler, de conserver, de garder la possession de la rondelle et de prendre le temps de viser la passe au joueur qui est démarqué. Il y en aura toujours un, de toute façon. Alors, pour vous illustrer comment c'est serré, c'est toujours 14-13 les tirs au but, donc très serré là. C'est 0-0 la marque. 15 et 34 encore à jouer en deuxième. Wilson
qui reprend le disque de Bossy. Autre passe de Wilson à Bossy, à Wilson, vers Bossy. Et là, autre arrêt de Mishkin et Bossy n'en croit pas ses yeux. Tout un joueur de hockey, ce Bossy. Chaque fois qu'il est sur la patinoire, il se produit quelque chose et là, Tikhonov apporte des changements, lui. On travaille le long de la clôture et regardez la façon dont Bossy vient se placer dans l'enclave et sans hésiter, le tir est parti, c'est l'arrêt de Mishkin. C'est le jeu à trois et la passe qui revient à Bossy et l'arrêt exécuté par Mishkin. Wilson jusqu'à Bossy, à nouveau à Wilson, à Bossy. On ne lui laisse pas trop de temps et de place pour manœuvrer. Et là, la rondelle qui réapparaît dans l'enclave et devant, c'est complètement raté. Il reste 20 secondes à la pénalité à Larionov. On veut rejoindre le devant du filet. Proutov qui intervient. Et là, Wilson qui ne peut garder le disque chez l'adversaire. Makarov intervient. Et Bourk qui finalement reprend le disque vers Wilson. Aussitôt à Messier. Messier, zone adverse, par la rampe. Le dégagement est arrêté par Coffey. Coffey à nouveau, la pénalité est terminée. Coffey toujours, il tire, c'est arrêté en défensive. Et le retour est repris par Bossy jusqu'à Bourk dans le coin. Bousculé par Kazatonov. La rondelle qui se déplace que très lentement. Là, c'est Messier vers Bossy, vers Anderson. Et c'est intercepté. Là, Makarov qui s'amène en zone adverse, s'arrête. Une passe interceptée par Bourk. C'est Larionov qui intervient. Et la mauvaise passe de Brent Sutter. Makarov qui renvoie du côté de Kazatonov. Il tire. Un long retour accordé par Peters. Et finalement, équipe Canada qui doit procéder à des changements et cela rapidement. Robinson qui a trébuché en sortant du banc. Là, c'est Yashin qui a pris une rondelle de l'autre côté de la ligne du centre. C'est la Coupe Canada 84 qui se poursuivra dans un petit moment au Réseau TV. Alors, Jacques, tu as vu dans le dernier jeu de puissance de l'équipe canadienne, Tikhonov, lui, a jeté dans la mêlée ses deux gros piliers à la défensive, Pervoukine et Kazatonov. Ils sont demeurés sur la patinoire durant toute l'attaque à 5 des Canadiens. Brent Sutter tire. Il y aura une autre pénalité à l'équipe de l'URSS. On retire Peters. Et là, devant, le rondelle bondissante. Et personne qui peut prendre cette rondelle qui bondissait juste devant le filet de Mishkin. Alors, l'équipe Canada aura une deuxième occasion en très peu de temps de jeter dans la mêlée. Une autre attaque à 5. C'est Béli Aliadinov qui a été pris en défaut. Il a fait trébucher à la ligne bleue dès la reprise du jeu. C'est Tonnelly qui s'est retrouvé sur le dos. Et aussitôt, l'attaque s'est poursuivie. Et le Canada a perdu une belle chance avec cette cage abandonnée. C'est Gardner qui tentait de maîtriser une rondelle sautillante sur son bâton. Et finalement, il n'y est pas parvenu. Alors, la pénalité est à Béli Aliadinov à 6 minutes et 37 secondes. Béli Aliadinov est celui qui est le plus pénalisé chez les Soviétiques. Il a maintenant 12 minutes au cachot. La Tonnelly avec Gemayev, Robinson qui barre la route à Svetlov. Gemayev qui reprend plus loin à Pervoukine et le dégagement est complet. Peters qui remet à Robinson. Oh! Et la rondelle lui reviendra. On établit la stratégie par derrière le filet. C'est Robinson à Coffey. Coffey poursuit sa course. Remet devant. Et là, c'est le but de John Tonnelly. Ça lui revient, Jean. Ça lui revient. C'est un but qui jette l'euphorie dans le public. On l'attendait, la foule qui était devenue soudainement silencieuse. Ce but qui est marqué à 7 minutes 17 et le bord de l'équipe canadienne s'est vidé. D'abord, l'attaque amorcée par Robinson, la descente de Coffey. Il a parcouru toute la patinoire et la belle passe devant Tonnelly, lui, arrive tel un véritable char d'assaut comme il le fait souvent.
En voilà un qui a donné tout ce qu'il avait durant ce tournoi. Il est récompensé ce soir par ce but marquant l'avantage numérique. Mishkin n'a pas eu le temps de réagir. C'est Tonali qui est entré en flèche devant lui pour saisir la passe qu'a jeté Paul Coffey devant le filet. Guimaev a tenté de repousser Coffey le plus loin possible, mais finalement, il a perdu. Tikhonov, lui, qui commence à scruter dans toutes ses connaissances, dans l'espoir de trouver une formule pour créer l'égalité au plus tôt. Semble songeur, le mentor des Soviétiques. Oui, dans un match semblable, il est important pour une équipe qui accuse un retard de rebondir au plus tôt. Et le Canada qui vient de rater une chance inouïe. Une rondelle qui se promenait juste devant Mishkin. Les Soviétiques qui rappliquent. Toujours à surveiller, Barnakov tire et s'est arrêté par Peters. Goulet qui renvoie jusqu'à Gretzky. Gretzky avec Kazantonov. À Middleton, il tire et la rondelle est passée par-dessus l'épaule de Mishkin. Là, c'est Goulet, il s'amène, il tire, autre arrêt de Mishkin. Et Middleton est venu près de reprendre une rondelle libre. Et Mishkin envoie de toutes les couleurs depuis un petit moment. Voilà la percée, l'éruption de Goulet. Et son tir, naturellement, il n'a aucune chance. Il lui aurait fallu viser la partie supérieure au-dessus de l'épaule de Mishkin, mais à la vitesse qu'il allait avec défenseur de la trappe de Kazantonov devant lui, la fête est belle. Et il s'est débarrassé de Zubkov pour ensuite se retrouver avec Kazantonov à ses trousses. Mishkin était là qui veillait, a effectué l'arrêt, ne donne pas de rebond à Middleton. Et c'est une chance ratée par l'équipe canadienne qui, au lieu de donner une chance aux Soviétiques de se regrouper avec une avance de 1-0, eh bien, ce sont les Canadiens qui attaquent à nouveau et avec beaucoup de succès. On a vu quelqu'un qui s'est échappé du cosmos, la guerre des étoiles. Sur la glace, il y a vraiment une guerre des étoiles. Oui, il y en a une, c'est sûr, et c'est un match dont le rythme s'accentue. Je ne sais trop si on pourra maintenir ce rythme-là pendant encore bien longtemps. Et Messier, superbe à la mise en jeu. On a fait trébucher Gardner. Le disque est repris en territoire neutre. C'était touché plus haut que la hauteur normale des épaules. C'est refusé. Mais l'équipe canadienne travaille très bien. On vient d'apercevoir Messier qui est utilisé au centre ce soir et Tikhonov, lui, s'interroge et choisi de renvoyer Chepelev, celui dont le trio a travaillé contre Messier en début de match. 11 minutes et 40 secondes, encore à jouer en deuxième et le Canada qui s'offre une avance de 1-0. Un but marqué par Tonelli à 7-17 avec l'aide de Coffey et Robinson alors que l'on bourdonne autour du filet de Peters. Là, Vassiliev avec Yashin, le nom de la rampe. On a encore une fois jugé qu'une passe avait été faite avec la main et on assistera à une autre mise en jeu à la gauche de Pete Peters avec 11-22. Encore à jouer en deuxième période et jusqu'à maintenant, les spectateurs ici présents en ont pour leur argent. Alors le match a commencé à 2h du matin, heure de Moscou. La rencontre est télévisée à la grandeur de l'URSS, également télévisée en Tchécoslovaquie. Les commentateurs de la Tchécoslovaquie sont demeurés dans l'ouest canadien alors que l'équipe est entrée aujourd'hui à Prague. Et si les Soviétiques subissaient la défaite ce soir, il est encore trop tôt pour en parler. Et de toute façon, on a pris des arrangements au cas où l'équipe perdrait. On veut passer quelques heures, sinon peut-être une journée ou deux, à Montréal avant de reprendre la route en direction de Moscou. Et lorsqu'on parle de Montréal, aujourd'hui, on en parlait, Jacques. J'en ai parlé avec plusieurs journalistes de l'étranger, de l'Europe, de la Suède et de la Tchécoslovaquie qui sont ici. Et pour eux, Montréal, Québec sont les deux villes où le tournoi devrait avoir lieu. Ce sont les deux villes que les Soviétiques et les Tchécoslovaques en particulier aiment le plus au pays. Ils ont parfaitement raison. Et d'ailleurs, les Soviétiques le disent carrément. Hein. Ils adorent le public du Québec. Ils n'aiment pas trop les villes d'Edmonton et Calgary. Non, ils ne sont pas les seuls. Là, c'est Tonelli. Et Rodel qui s'arrête sur la cage, là devant Mishkin. Et
C'est encore raté de bien peu. C'est Billy Aledinov, Tonelli à son tour. Tonelli toujours, travaillant toujours avec acharnement. On a fait trébucher Tonelli à nouveau. Et voilà que les Soviétiques se retrouveront à nouveau à court d'un homme. Étant pénalisé une troisième fois dans ce deuxième engagement. Et là, Tikhonov a un sourire qui en dit long. Ça, c'est le travail, l'acharnement au travail de John Tonelli. Regardez le faire. Toujours le deuxième effort et ça a coûté une pénalité à Larionov. Larionov cherchait à arracher le disque à Tonelli. Encore une fois, la tornade de l'équipe canadienne qui s'imposait et pressait le pas dans le territoire de l'équipe soviétique. Et Larionov écope d'une autre pénalité. Regardons le jeu à nouveau. Il y a cet effort de Tonelli et le tir, la rondelle est venue se poser sur la partie supérieure du filet. Et Sutter, Tonelli, Dubassy qui tente de reprendre le disque. Mishkin lui en avait plein les bras et se demandait ce que la rondelle allait faire sur sa cage. Claude, tu te souviens, lors du match contre la Tchécoslovaquie, ici même au Saddle Dome, c'est Tonelli qui avait sonné la charge. Il avait participé aux deux premiers buts et c'est ce qui avait donné cet élan à l'équipe du Canada qui se devait absolument de remporter la victoire, d'y aller d'un gain de 7-2. Et à ce moment-là, le Canada pouvait respirer un peu plus à l'aise. Il se retrouvait en zone ou en rond de demi-finale. Billy Aledinov qui accueillit solidement Goulet. On a pu dégager. Là, c'est un tir. Et Mishkin a regardé derrière lui un petit moment, croyant que la rondelle l'avait déjoué. Est-ce que tu es bien sûr que c'est Mishkin, c'est pas Tretiak? Ça fait plusieurs bons arrêts qu'il effectue le blond de l'Oural. Voilà le tir et l'arrêt encore une fois de Mishkin. Une rondelle qui a été perdue que, et finalement il a failli avoir confusion. Middleton campé, Middleton a cédé le disque, servi par sa vaste expérience. A dit à Campé, ben vas-y donc, t'es mieux placé que moi. Et aussitôt le lancer a été décoché. Et le Canada qui attaque sans cesse. Le Canada a même plus de tirs que les Soviétiques maintenant dans le match, 19 contre 15. Naturellement, les pénalités ont aidé un peu. La pénalité à Larionov, à Billy Aledinov, une deuxième à Larionov. Et là, Tikhonov au banc, il y a Kazatonov qui demande quelques explications. Et c'est Agui Kokolowicz qui sert d'interprète. Je ne sais trop, c'est sur le temps qu'il reste à écouler. Il reste 1 minute et 42 secondes encore à la pénalité à Larionov. Et les joueurs canadiens qui ont imposé leur tempo, leur cadence en deuxième période. Ça ressemble étrangement à la troisième période du match entre les deux mêmes équipes il y a quelques jours à Edmonton. Oui. Et si Larionov est au bas des pénalités, Jacques, c'est à cause du travail, de l'acharnement au travail de John Tonelli. Et à mon avis, s'il est un joueur qui mérite d'être honoré à la fin de ce tournoi, gagne ou perd, c'est John Tonelli. Là, c'est Goulet. Goulet à Gretzky. Vers Goulet. Et la rondelle a touché juste au bout de son bâton. Et il a pu décocher un tir correctement en direction du gardien Mishkin. Devant Bourque, c'était Kovin. Il rentre au banc et c'est Vortsov qui le remplace. Bourque file en zone adverse. Déjoue Varnakov. Vers Goulet et autre chance ratée, c'est repris par Middleton, passe le disque devant et Gretzky qui rate son revers. Là c'est Gretzky à nouveau, il perd à Zoukov et lui, sans hésitation, retourne les Canadiens chez eux. Il reste 57 secondes à la pénalité, 9 et 48 à la deuxième période, les tirs au but 20-15 en faveur de l'équipe canadienne. Tonelli qui poursuit sa charge. Là, la passe est belle à Bossy, devant et pour Tonelli. Et c'est raté. Café qui remet aussitôt à Messier. Messier, zone adverse, vers Tonelli à nouveau. Tonelli qui remet le disque devant. Et quel arrêt inouï de Mishkin. Incroyable.
Messier et Potier qui... On a perdu le souffle, Et pour tenir le tour de Mishkin, Messier a failli prendre une pénalité juste avant le jeu. Et voilà la remise devant. Et c'est encore une fois l'irruption de Messier. Rondelle qui bondit contre la poitrine de Mishkin, qui touche Dimaev, qui lui qui revient ensuite dans son gant. Et là, Mishkin en a vu de toutes les couleurs, mais il résiste bien. La marque demeure toujours 1 à 0. Et la pénalité à Larionov s'envole en même temps. Et Tikhonov a adressé quelques reproches à l'arbitre Mike Nowot juste après que Messier eut fait trébucher un joueur soviétique. Et je pense que Tikhonov a dit à l'arbitre américain, viens donc t'asseoir avec nous, tu manques un bon match. Le Canada avait réussi 17 tirs dans la défaite de 6-3 contre les Soviétiques. Et là, il en a déjà 22. Nous sommes en deuxième. Jusqu'à maintenant, c'est 12-5 en deuxième période, favorisant le Canada. C'est la course. C'est gagné par Dimaev, ce qui coûtera une mise en jeu dans le territoire de l'équipe du Canada. 14 secondes avant le retour d'Igor Larionov. C'est la Coupe Canada 84 qui se poursuit dans un moment au réseau. Il reste 9 minutes et 7 secondes avant la fin du deuxième engagement. Et vous savez qui les Suédois veulent rencontrer en finale, eux, qui sont assis confortablement, là, ils regardent le à leur aise. Ouais. Les Soviétiques... Ils pensent avoir plus de chances de les battre que les Canadiens. Leur fiche contre les Soviétiques, cependant, est peu reluisante. 0-41 dans leurs 41 derniers matchs. Mais néanmoins, ils préfèrent voir les Soviétiques pour la raison suivante. Ils prétendent qu'en jouant en finale contre le Canada, la foule sera tellement derrière l'équipe canadienne qu'eux se sentiront délaissés, complètement désemparés. Alors que pour les Soviétiques, contre les Soviétiques, ce sera l'inverse. Ce seront eux qui jouiront de la faveur du public. Surtout qu'il y en a 13 ou 14, oui, 13 ou 14 qui sont quand même connus du public canadien et américain puisqu'ils évoluent dans la Ligue nationale. Et là-dessus, j'ai demandé à Liv Bork après le match hier soir, mais là, il reste à les battre quand même si le public est derrière vous. Et ça, on va s'en occuper. Il ne m'a pas dit de quelle façon. Gartner, à Messier, tire! Oh! Et encore une fois, Mishkin qui est menacé. Il tient bon dans sa forteresse et j'ai l'impression que ce sera un gardien épuisé, fatigué que nous connaîtrons après la rencontre. Alors, c'est Wilson qui donne la rondelle à Gardner, de Gardner à Messier, avec un trafic lourd devant Mishkin. Le tir est décoché très bas. Encore une fois, Mishkin qui voit tout. Et regardez son geste, il est vif comme l'éclair, bondit sur cette rondelle qui sautillait devant lui, de façon à empêcher Messier de cueillir le rebond. Alors, c'est de cet endroit que nous vous apportons les commentaires. Nous sommes très bien situés ici au Saddle Dome. C'est un stade tout nouveau qui servira aux Jeux olympiques de 88. D'ailleurs, c'est la seule glace de dimension olympique ici. Sauf qu'on peut rapetisser, ramener les bandes comme on a fait. Et on pourrait jouer sur une glace de dimension olympique ici dans le présent tournoi, Claude. Oui, effectivement, Jacques, puisque on peut à loisir agrandir ou rapetisser aux dimensions de la Ligue nationale cette patinoire. C'est un amphithéâtre absolument magnifique qui est le Saddle Dome. Et ce sera le théâtre, comme tu l'as mentionné, des Jeux olympiques, du tournoi olympique de 1988, qui fait déjà l'objet de nombreuses discussions. Et on est encore loin, on est quand même à 4 ans des prochains Jeux olympiques. Et la question est qu'on veut étendre cette compétition sur 3 fins de semaine, naturellement pour des fins de revenus, pour satisfaire les exigences de la télévision. Et ça n'a pas l'air de plaire aux Soviétiques, notamment. Rondelle qui est rejeté du côté de Peters. Et Bork, là, qui se laisse choir sur cette rondelle pour enlever un peu de pression, puisque les Soviétiques, tirant de l'arrière 0-1, veulent absolument, et dans ce tiers-temps, combler cet écart, niveler au plus vite. Tonelli, qui est allé chercher quelques informations au banc des siens, revient dans la mêlée. C'était le 6e but marqué en avantage numérique par le Canada depuis le début du tournoi. C'est un meilleur jeu de puissance que celui des Soviétiques. Bossisk, un tir, arrêt de Mishkin et il n'a pas pris de chance.
puisque autour de lui, c'était Brent Sutter. Le jeu a été bien amorcé, cependant, et Bossy aurait peut-être eu plus de chance en s'approchant quelque peu. Là, Bossy attendait l'arrivée d'un coéquipier, c'est Kevin Lowe qui s'en venait de toutes ses forces, mais pas à temps, et quand il a vu qu'il allait être pressé le long de la rampe, a décoché son tir. L'arrêt de Mishkin à la façon de Hal Oliver qui joue au premier but pour les Expos l'an dernier, et, sauf que lui, il laissait passer quelques balles, mais Mishkin lui a retenu la rondelle. 25-15, les tirs au but favorisant le Canada. 8 minutes encore à jouer en deuxième. C'est 1-0 toujours. Tonelli qui est bousculé par Larionov. Tonelli qui travaille toujours avec autant d'acharnement. Et cela aux applaudissements des spectateurs ici. Là, c'est Robinson qui ne peut garder le disque dans le territoire adverse. Larionov qui rapplique en zone adverse. Coffey qui le suit. Pas à pas, Zoukov qui reprend une rondelle, et là, Krutov est venu bien près de dévier cette rondelle dans le fond de la cage. Mishkin qui intervient, et il laisse aussitôt cette rondelle à Kazatonov. Robinson qui s'avance pour éviter que les Soviétiques sortent de leur territoire. C'est la Coupe Canada 84 qui se poursuit dans un moment au réseau TVA. 7 minutes et 21 secondes encore à jouer en deuxième. En 12 minutes et 39 secondes, en deuxième, le Canada mène dans les tirs au but 15 contre 5. Alors, c'est très significatif. Le Canada qui est sorti du vestiaire en rugissant et il a profité d'une pénalité à l'adversaire pour aller chercher ce but qui, jusqu'à maintenant, s'avère très précieux. Michel Goulet qui a pris la place de Gretzky en tant que joueur de centre pour cette mise en jeu. Gretzky qui jouera à gauche contre Kovin. Là, c'est Starikov. Starikov, on lui enlève le disque. Middleton qui part à la chasse de Kovin. Kovin qui joue avec une visière. C'est celui-là qui avait été attaqué par Messier. Là, c'est Gretzky. Et Goulet a raté une chance unique. Encore Gretzky de l'autre côté. Charles Huddy, autre arrêt de Mishkin. Middleton qui garde le disque chez l'adversaire. Là, c'est Gretzky. Vise quelqu'un dans l'enclave, personne est là pour recevoir. Middleton, on le fait trébucher, on l'accroche par derrière. Et la passe est trop en avant de Schwartzoff. Un geste précipité de Wilson et la rondelle se retrouve chez les spectateurs à quelques 30 pieds de nous. Et à quelques pieds, moins de 30 pieds, à une dizaine de pieds de Andrei Starovoitov, qui est le président de la Fédération de hockey sur glace en Union soviétique, et que je suis sûr Allen Eagleson a déjà choisi de placer derrière le banc de l'équipe canadienne. Le docteur Sabetsky, le président aucune de la Fédération, influence. Oui. Président de la Fédération internationale, Gunther Sabetsky est là également, tout près de lui. Oh! Et la rondelle a touché le patin de Kevin Lowe. Et elle est venue près de se retrouver dans le fond de la cage. Pervoukine maintenant, à l'autre bout, jusque vers Bilialedinov. La passe manque de précision, c'était vers Gimaev. Et là, Nowet qui a pris Messi en défaut. Ce sont les Soviétiques qui pourront bénéficier d'un avantage numérique. Messi allant penser à ce qu'il venait de faire. Pour 2 minutes. Et Sater se dit, pas encore un des miens. Messier au bas des pénalités à 13 minutes 48 secondes. Messier, lui, qui n'a pas cru un seul instant, selon ses commentaires, tout ce qu'il a pu se dire au sujet de la dissension, d'animosité dans l'équipe. C'est parce qu'il n'a pas, il a pas tout entendu. Oui, et... Ou bien, il attendait ce qu'il voulait bien entendre. Et Gretzky nous l'a vraiment confirmé un peu plus tôt dans l'entracte. Il nous a dit qu'il y en avait de l'animosité et ça a été créé dès le départ. On vous a tout expliqué ça. Là, on retient seulement un joueur de défense en arrière, c'est Zoukov, alors que Kazatonov, lui, était utilisé plus près des deux autres et Makarov était assez éloigné. Là, Sutter, Brent Sutter qui... change de côté et renvoie le disque à l'autre bout. Là, c'est Kazatonov qui remet à Zoukov. Zoukov qui cherche une ouverture. À Makarov, à Zoukov. À Makarov,
Belle manœuvre. Là, on établit l'attaque en zone adverse. Zubkov, Makarov. Et là, près de la cage, c'est Krutov. Krutov qui ne peut aller plus loin. On lui enlève le disque. On se laisse choir sur cette rondelle qui apparaît soudainement dans l'enclave. Et Brent Sutter, lui, renvoie à l'autre bout. Les quatre joueurs de l'équipe du Canada sont remplacés. C'est Robinson qui est là avec Goulet, ou plutôt Bourne, qui fait un beau jeu. Il y a Bourne, Gretzky. Et là, un beau repli de Krutov qui empêche Gretzky de tirer correctement au but. Et Gretzky, étendu tout son long le long de la rampe, prend bien son temps. Et on a jugé qu'on a fait une passe avec la main. Et on recommencera à l'extérieur du territoire de l'URSS. 4 et 55 encore à jouer en deuxième. 43 secondes à la pénalité à Messier. Et à Zubkov qui a fait trébucher pendant que nous apercevons Wayne Gretzky à la recherche d'un premier but depuis fort longtemps, trop longtemps pour lui, à son goût, c'est sûr. Zubkov se retrouvait avec Bourne dans les bras. Les deux ont commencé à chamailler. Et Zubkov a été quitte pour un bon coup de poing en plein sur le nez. Billy Aledinov, c'est Gretzky qui lui a enlevé le disque. Billy Aledinov qui reprend dans le coin. Gretzky qui travaille avec acharnement. Les deux croulent et un bon jeu de Bourne qui empêche les Soviétiques de s'organiser. Là, c'est Semyonov. Semyonov du côté de Yashin. Et on est allé un peu trop vite chez les Soviétiques et c'est rare qu'ils précipitent leurs gestes. Et on a assisté à un hors-jeu. 20 secondes avant le retour de Messier. Et Tikhonov a commencé à improviser quelques trios, faire quelques changements, mais très peu. Il a surtout déplacé Guy Maev, qu'on a vu dans deux trios, et sporadiquement à la ligne bleue aussi. C'est le joueur d'utilité, si on veut, de l'équipe soviétique. Et là, Tikhonov s'interroge, puisqu'avec seulement 20 secondes encore à la pénalité à Messier, les Soviétiques n'ont pas encore réussi un seul tir au but. Robinson, prudemment, retourne le disque par la rampe. À nouveau Robinson, et là, c'est rejeté jusqu'à l'autre bout, ce qui donnera l'occasion à Messier de revenir sur la patinoire. On jouera donc à armes égales. Bossy qui a perdu, c'est repris par Coffey. Messier de retour, et on tire dans le coin. Intervention de Mishkin qui est sorti de son rectangle. C'est Brent Sutter qui est venu près de prendre une rondelle libre. Il demande d'être remplacé, c'est fait par Anderson. Krutov qui passe devant à Makarov. Makarov fait le tour de la cage. Bossy est là. La rondelle est libre, reprise par Larionov, bousculée par Hadi. Larionov qui croule. La rondelle est reprise plus loin par Messier. Et ce sera un dégagement refusé à équipe Canada. C'est la Coupe Canada 84 qui se poursuit dans un moment au réseau TVA. Eh bien, cette vague humaine qui déferle à nouveau dans le Saddle Dome, ça fait le tour et ça jette de l'enthousiasme dans la place. On espère intimider l'adversaire en faisant ce geste et en même temps encourager, appuyer les locaux. Et Yurzinov qui fait les 100 pas derrière le banc de l'équipe soviétique, encourageant tous les joueurs en leur disant, écoutez, il reste encore 3 minutes, ça sera peut-être le temps en deuxième période de chercher à créer l'égalité. Wilson qui prend le disque derrière. Là, il hésite, personne ne semble se démarquer. Vers le centre à Goulet. Du côté de Gretzky, c'est intercepté par Kovin. Kovin fait son entrée en zone adverse. S'arrête devant Hadi. Le disque est passé le long de la rampe. Et je pense qu'il y aura une pénalité à l'équipe du Canada. C'est Wilson qui a littéralement assommé et poussé dans le fond de la cage Svartsov, le numéro 26. Et je te demande, comment les joueurs n'ont pas appris leur leçon? Pourquoi ils posent de gestes semblables, connaissant l'enjeu, l'importance de la rencontre, et on est toujours pris à poser des gestes ridicules?
Il est moins ébranlé qu'on le pensait. Oui. Mais il a été vraiment poussé dans le fond de la cage assez sévèrement par Wilson. Alors, c'est à 16 minutes et 52 secondes la pénalité à Wilson, qui a fait trébucher Zvortsov, qui l'a poussé au fond de la cage. À jouer avec le feu, on se brûle. Hein? Et là, c'est une deuxième pénalité d'affilée. Il faut toujours se poser la question. Le Canada a eu 3 avantages numériques, a marqué une fois, a raté 2 belles occasions. Ça, ça peut avoir un effet déterminant sur l'issue de la rencontre. Les Soviétiques qui attendent justement l'opportunité pour retrouver leur tempo, tempo qu'ils ont perdu vers la 11e minute de la première période, alors que les deux joueurs qu'on lançait toujours en zone adverse, avec un joueur, un attaquant en retrait pour aider la défensive, ça fonçait beaucoup moins loin, ça aventurait moins loin en zone adverse. Et ça a changé l'allure du match au profit de l'équipe canadienne. Yashin, contre-attaque. On l'a envoyé du côté de Svetlov, il a perdu. Belyaledinov qui reprend de Pervoukin. Par la clôture, la rondelle ira jusqu'à Robinson. Robinson renvoie jusqu'au centre. Et Bourne, lui, qui retourne le disque en territoire adverse. Sutter s'amène dans la mêlée, de même que Tonelli. Coffey, territoire neutre, toujours 1-0 en faveur de l'équipe du Canada. Mishkin, sentant le danger, a préféré garder le disque et... C'est ce que l'équipe Canada voulait, une mise en jeu en territoire rouge. Une 16 avant le retour de Wilson. Ce n'est jamais trop bon de reprendre le jeu dans son territoire lorsqu'on a l'avantage numérique, mais c'est encore mieux que de prendre la chance de remettre le disque à l'adversaire dans sa zone. Si Mishkin a voulu jouer de façon prudente, on s'aperçoit qu'il reste 2 minutes et 24 secondes à jouer en deuxième période. Et Jacques, le tempo a changé, mais il ne faudrait pas que l'équipe canadienne, par des pénalités stupides ou des gestes irréfléchis, donne l'opportunité aux Soviétiques de se retrouver et de reprendre l'initiative dans le match. Actuellement, les Canadiens l'ont, ils doivent tenter de conserver cette initiative le plus longtemps possible. On a fait sauter les patins à Tonelli. Kazatonov qui doit sauter dans les parages, peut faire quand même la passe à Makarov. Makarov perd à Tonelli, dégagement jusqu'au centre. Il reste 50 secondes à la pénalité à Wilson. Gretzky s'amène dans la mêlée. Krutov qui poursuit sa course en zone adverse, remet derrière à Larionov à Makarov. Makarov le numéro 24 vers Larionov, s'approche du filet, renvoie jusqu'à Kazatonov. Kazatonov tire et c'est arrêté par Gretzky, mais la rondelle se retrouve sur le bâton de Krutov. Plus loin, il perd et là c'est dans le coin de la patinoire. Makarov qui remet jusqu'à Krutov, accueilli par Kevin Lowe. Là, il reste 15 secondes à la pénalité. Kazatonov qui remet à Starikov. Un tir. Et là, la rondelle bondit par-dessus le bâton de Makarov. C'est repris par Krutov. Eh bien, on prend bien son temps du côté des Soviétiques. Là, c'est de l'autre côté jusqu'à Kazatonov. Il tire et il rate complètement la cible. La pénalité à Wilson se termine. Un tir de Krutov. Et la passe qui va jusqu'à Kazatonov. Moins d'une minute à faire en deuxième période. Et l'équipe Canada qui s'en tire encore élégamment. Mais cette fois-ci, on assistera à une mise en jeu dans le territoire de l'équipe du Canada puisque Wilson était de retour au jeu. Les gens se lèvent d'un bond pour saluer cette performance de l'équipe canadienne jusqu'à maintenant dans le tournoi. Les deux meilleures périodes jouées par l'équipe du pays. Et chose à remarquer, pour un deuxième jeu de puissance d'affilée des Soviétiques, aucun tir au but. Oui, là, c'est un bel arrêt de Peters qui a dû faire vite. Chepelev qui a fait bien son possible, mais n'a pu retenir le disque de l'autre côté de la ligne. Aucun tir au but en deux jeux de puissance en deuxième période. C'est assez rare. 27 contre 16 alors qu'il reste 44 secondes. 27 contre 16, tir. On retourne le disque jusqu'à l'autre bout. Et à nouveau, ce sera refusé à l'équipe du Canada. Gardner, Anderson, Messier, Coffey et Robinson pour l'équipe nationale du Canada. Mishkin est la figure dominante
de l'équipe soviétique jusqu'ici. Il a reçu 27 rondelles. Une seule est passée derrière lui depuis le début du match. Et on se souviendra qu'en 1981, c'est Tretiak qui avait battu l'équipe Canada en première période. Et après, le toit s'était écroulé. Alors, vous entendez ce bruit d'ambiance. C'est toujours le super fan qui se promène avec tout son attirail et qui met de l'entrain dans la place, sorte de meneur de claque. Pervokin qui remet. Une rondelle qui est arrêtée par Bourne. Et au centre, c'est Café, prudemment vers Robinson. Il doit faire vite vers Café. Et on retourne le disque en territoire neutre. Irek Gimaev jusqu'à Shepherlev. Et c'est perdu par ce dernier. Café maintenant, messieurs, de loin. Et ça rate également de très loin. Pervokin maintenant. Alors qu'il reste une seconde. Voilà. Ça se termine à zéro. Et ce fut encore une fois un deuxième engagement rempli d'action. Et le Canadien, le Canada, a bien tenu. Il s'est jeté en avant. 1 à 0 lors d'un avantage numérique. Sixième but marqué par le Canada lors d'avantage numérique, Claude. Alors, les tirs au but par l'URSS en deuxième période, 6 pour un total de 16. Par l'équipe canadienne, 17 pour un total de 27. C'est 1-0, équipe du Canada, après 40 minutes de jeu. C'est la Coupe Canada 84 qui se poursuit dans ce moment au réseau TVA. Masculine, élégante en tout point. Tout le monde autour de lui est allé se délier les jambes un peu, d'aller faire un petit tour. Lui, il reste là, impassible, attendant, peut-être un peu surpris de voir la résistance de l'équipe canadienne qui offre une opposition absolument inattendue et contre tout ce qu'on avait fait, toutes les prédictions aujourd'hui. Claude, pour les gens qui ne sauraient pas qui est André Starovoitov, est-ce que tu peux nous parler un peu de lui, celui qui suit depuis de nombreuses années l'équipe soviétique? Starovoitov, on l'a vu d'abord, il était chef de liaison dans les premières rencontres internationales auprès de la Fédération soviétique c'est lui qui entretenait le dialogue avec Alan Eagleson. Et par la suite, quelques années plus tard, on l'a retrouvé au sein de la Fédération internationale, dont il est toujours membre d'ailleurs, et maintenant il occupe en plus le poste de président de la Fédération de hockey sur glace en Union soviétique. Et parlant des joueurs de l'Union soviétique, on a mentionné, je pense que c'est Régent Tremblay qui a fait cette remarque-là, que des journalistes de l'Union soviétique lui auraient laissé entendre soudainement que les joueurs de Tikhonov, les hommes de Tikhonov, sont fatigués. C'est drôle qu'on n'en a pas parlé du tout depuis qu'ils sont entrés au pays. Au contraire, on a continué à pratiquer au rythme souvent de 2 exercices par jour. Ça, c'est l'auxiliaire de Mishkin qui, ce soir, n'a pas besoin de revêtir l'uniforme au complet. Mishkin fait très bien. Et Tichnik, d'ailleurs, qui a très bien fait contre les Canadiens dans le dernier match. Et il faut dire, cependant, que si on parle d'expérience en rencontre internationale, si on parle aussi de mise en train, de conditionnement physique, les Soviétiques, et là, la foule qui réagit aux préparatifs de la troisième période, encourageant nos porte-couleurs, les Soviétiques en sont aujourd'hui à leur 7e participation à un tournoi international. Et là-dessus, il faut penser au tournoi des Izvestia, le Bonnie Ahern en Suède, la Coupe d'Europe, le tournoi olympique. Il y a eu aussi le tournoi de Suède. Il y a eu tout d'abord le Rudé Pravo en Tchécoslovaquie et maintenant le tournoi de la Coupe Canada. Alors que les joueurs de l'équipe canadienne ont été réunis il y a 5 semaines seulement. Et en 5 semaines, on leur demande de digérer, de gober un système de jeu, de former une équipe, de s'entendre, d'éviter toutes les frictions, toutes les discussions inutiles et de remporter la victoire au départ des Soviétiques. Alors, lorsqu'on analyse les forces en présence, il faut tenir compte d'un tas de choses, d'un tas de faits aussi. Donc, un dernier 20 minutes d'une grande importance pour l'équipe du Canada et peut-être pour la survie de tout le tournoi de la Coupe Canada. Là, c'est Sutter, retenu, et Mishkin, sentant un danger, eh bien, est sorti tout simplement pour aller mettre la mitaine sur la rondelle à sa droite. Et
quelle politesse, quelle gentillesse de Sutter, lui qui a brassé la cage de tout le monde depuis le début du tournoi. Il s'est présenté devant Mishkin et il est allé très délicatement, très poliment. C'est la discipline maintenant qui commence à s'installer dans l'équipe. Au jeu de Sarajevo, l'URSS a blanchi l'équipe canadienne 2-0, mais il faut bien vous dire que ce n'était pas la même équipe qui était à Sarajevo. Alors, à la droite de Mishkin, c'est de là que l'on reprendra. Et j'ai surveillé Sater et Tikhonov dans ses premiers instants. Et l'un l'autre se jetait un petit regard à savoir lequel des deux allait d'abord procéder au changement. Et les changements sont venus par la suite. Une pause ici, c'est la Coupe Canada 84 qui se poursuit dans un instant pour Réseau TV. Avec le Canon T70, c'est automatique. Chaque photo a la précision d'un ordinateur. Le nouveau Canon T70, à programme multiple comme Gretzky. Sa performance va droit au but. Donc, en territoire de l'URSS, Book à Middleton. C'est la course remportée par Starica vers Kvartsov, territoire neutre. Et c'est Book qui reprend le disque. Là vers Gretzky, mauvaise passe, Kvartsov qui reprend, et Bourque qui devance Varnakov, bousculé, Kobin est là également, Gretzky qui prend 10, le retourne vers Bourque, aussitôt vers Goulet, Goulet hésite, il tire, et Mishkin a étendu la jambière, et il a fait l'arrêt, les Soviétiques qui dégagent, et ce sera refusé. Belle chance la ratée par Michel Goulet, alors que la rondelle, je pense, a effleuré un patin ou un bâton juste devant Mishkin, ce qui a obligé le gardien soviétique à se surpasser. Oui, d'ailleurs, pendant qu'on voit le palmarès de l'Union soviétique au cours des 25 dernières années, 17 championnats, 3 pour la Tchécoslovaquie, 2 pour le Canada, 1 pour la Suède, et Mishkin nous a démontré qu'il joue au soccer également. On l'a vu, sa réaction, son jeu de pied pour bloquer cette rondelle qui suivait une trajectoire inattendue. Robinson jusqu'à Anderson, opte pour renvoyer à l'autre bout. Gartner n'a plus touché à la rondelle. Là, c'est fait. Et Bilialetdinov qui est venu prêter main forte à Pervoukin. Territoire neutre, Semyonov qui est arrêté par Robinson. Rondelle libre, elle est reprise par Robinson. Accoffé à Robinson pour ouvrir le jeu. Messier qui renvoie jusqu'à l'autre bout. Bilialetdinov qui est passé par son gardien Mishkin. Là, c'est Yashin vers Semyonov et on le fait rouler. Contre-attaque menée par Gartner vers Hardy. La rondelle est libre. Elle est reprise par Svetlov. Un tir et la rondelle va jusqu'à Zubkov. Au point d'appui droit. Autre tir dans l'autre coin. Et là, c'est Svetlov, bousculé par Sutter, derrière le filet. Tonelli s'amène en trombe. Semyonov est là. Tonelli qui trébuche et on a jugé qu'il avait reçu la rondelle un peu trop longtemps, sous son poids. Tonelli, tout un bagarreur, tout un travailleur acharné. Et là, il était temps que quelqu'un intervienne. C'est Tonelli qui s'est amené, s'est laissé choir sur la rondelle. Tonelli qui connaît un tournoi absolument exceptionnel. On connaît ses qualités, et c'est un joueur combatif, et c'est un joueur honnête. Et à chaque match, il est toujours au rendez-vous. Et dans ce tournoi, il a donné l'exemple, inspiré les siens en maintes occasions, et encore ce soir, il est l'auteur du but, et a travaillé sans relâche. Tonelli qui renvoie jusqu'au centre, qui est Maïev, qui va chercher le disque, et la remise est faite jusqu'en territoire neutre. Shepherlev à Zubkov qui a quitté son poste de défenseur. Le repli des joueurs de l'équipe canadienne se fait rapidement. Tonelli qui rejette encore une fois du côté des Soviétiques. Kazatonov à sa gauche à Shepherlev. Belle percée des Soviétiques, on remet derrière et un tir qui rate la cible. Kazatonov qui rejette plus loin, c'est Gimaïev qui est là. Gretzky et le dégagement est complet. Et on sent que les Soviétiques y mettent davantage de pression. C'est eux qui doivent effectuer le retour. Une pause. Coupe Canada 84 qui se poursuit dans un moment au Réseau TV. Vague qui déferle
autour du Saddle Dome en guise d'encouragement de l'équipe ou envers l'équipe. Oh, une mauvaise passe. Et là, c'est intercepté par Anderson. File en zone adverse. Dans le coin. On le met en échec. Garde le disque. Veut remettre devant. Il reprend le disque. Et cette rondelle est touchée par un bâton. Il va jusqu'à Robinson. Mauvaise passe de Robinson, territoire neutre. Là, c'est Stelnoff. On a vu que Stelnoff, lui, allait se diriger seul au but et on l'a accroché par derrière, ce qui vaudra un petit deux minutes au banc. Je pense que c'est Robinson. C'est Robinson qui écope de la pénalité pour avoir accroché Stelnoff. Stelnoff cherchait à se rendre jusqu'au but. Et là, c'était la deuxième sortie en peu de temps du trio de Messiers Gardner et Anderson. On revient avec ce trio. C'est un trio qui peut être explosif, qui travaille bien. Et il y en a déjà un qui fonctionne moins bien dans l'équipe. Et c'est peut-être la raison qui motive la décision de Glenn Sater de revenir plus souvent avec le trio de Gardner, Messiers et Anderson. Le trio de Peter Stachny est utilisé que très, très, très rarement. Il y a seulement un membre de ce trio qui, à l'occasion, fait des présences en désavantage numérique. C'est Bob Bourne. Bellows et Stachny sont là sur le banc depuis un bout de temps. C'est la première pénalité de Robinson. La pénalité à Robinson à 3 minutes et 46 secondes. Il reste 16 minutes encore à jouer en troisième période. Et ce sera un avantage numérique crucial pour les Soviétiques qui tirent de l'arrière par un but. C'est 1-0. La Bourne, qui grâce à son jeu exceptionnel, oblige les Soviétiques à rentrer chez eux. Kazatonov à l'origine d'une nouvelle attaque. Et là, un autre beau jeu de Messier qui revient à nouveau dans la mêlée. Utilisé à profusion par Sater. Larionov à Makarov. On prend bien son temps. Il reste 1 minute et 5 secondes à la pénalité à Robinson. Et l'autre qui renvoie le disque à l'autre bout. D'autres changements sont apportés par Sater. Gretzky dans la mêlée. Très rapide. Yashin qui est arrêté littéralement par Coffey. Et autre dégagement réussi par Coffey. Il reste 35 secondes à la pénalité à Robinson. 1-0 toujours en faveur de l'équipe du Canada. Là c'est Semyonov. Vers Svetlovy le but. Il restait 27 secondes à la pénalité à Robinson. Donc les deux buts jusqu'à maintenant ont été réussis lors d'avantages numériques. Voilà la descente de Semyonov qui attire les deux défenseurs vers lui, laissant le champ libre à Stelnoff. Et c'est le tir du revers qui passe par-dessus l'épaule. Voilà, c'est Svetlov, c'est-à-dire qui repousse la rondelle par-dessus l'épaule de Pete Peters. Et regardez, c'est Semyonov qui entraîne les deux défenseurs de l'équipe canadienne avec lui. Alors, c'était un premier lancé, encore une fois, dans ce jeu de puissance exécuté par l'équipe soviétique. Et 27 secondes plus tard, ça aurait fait trois jeux de puissance sans aucun tir. Mais là, les Soviétiques viennent de créer l'égalité. Et d'ailleurs, ils ont mis beaucoup plus de pression sur la défensive canadienne depuis le début de la troisième. Là, c'est Sutter. Remet chez l'adversaire. Tonelli. Qui est arrêté par Stelnoff. On remet jusqu'à Coffey. Il tire et c'est arrêté par Svartsov. Et Coffey a dû faire vite pour éviter que Varnakov et Svartsov s'en aillent tous les deux vers Peters. Coupe Canada 84 se poursuit dans un moment au réseau TVA. 14 minutes et 14 secondes. Encore à jouer en troisième. 1-1 et la marque. Alors le deuxième but de l'équipe soviétique est réussi par Svetlov. Son quatrième du tournoi sur les passes de Semyonov et Yashin à 5 minutes et 19 secondes.
Une percée en zone adverse de Raymond Bourque. Il avait été devancé par Rick Middleton, à qui une passe était destinée plus tard, mais c'est refusé à la ligne bleue de l'équipe soviétique. Seder à l'écran. Là, c'est Bourque de loin. Long retour par la clôture. Et le long de la rampe, Peter Stastny jusqu'à Goulet. Il perd. Et sortie des Soviétiques avec en tête Gimaev. Peters qui intervient, sort de loin et Middleton jusqu'à Peter Stastny, à Michel Goulet. De loin, c'est arrêté par Bishkin. Retour Kazatonov. Robinson qui apparaît dans la mêlée comme arrière. C'est lui qui vient s'interposer. Là, c'est Vassiliev qui est venu près de passer par-dessus la bande. Goulet de loin et Arel Bishkin. Pervoukin, un rondel qui apparaît au centre. Robinson avait deux Soviétiques dans les parages. Là, c'est Krutov. Remet devant, mais Robinson qui renvoie jusqu'à Middleton. Middleton devant être remplacé, tout comme Peter Stastny. À deux maintenant en zone adverse, Makarov, et il marque! Un but qui jette la consternation dans le Stadler Dome. Et Makarov, avec de belles feintes, s'est moqué littéralement de Robinson pour finalement marquer. Là, la descente de Makarov, il fait prendre une tasse de café à Robinson, il lui donne le champ libre et la fête ensuite qui déjoue Pete Peters. Et les Soviétiques viennent de prendre les devants dans le match. Et on le sentait venir, ça. Encore une fois, descente absolument éblouissante de la part de Makarov et amorcée par Krutov qui, d'abord, à sa propre ligne bleue, est venu gêner Anderson. La rondelle est passée dans le corps de l'équipe soviétique avec le résultat qu'on connaît maintenant. Wilson à Hardy, doit faire vite. Là, c'est Gardner. Sa passe est interceptée. Là, c'est Starikov à Yashin. Yashin tire et Peters a dû faire vite. Et on voit que ce deuxième but a redonné des ailes à l'équipe soviétique. Alors, le but de l'équipe soviétique marqué par Makarov. Et pour Makarov, c'est un sixième but dans le tournoi sur une passe de Krutov à 7 minutes et 8 secondes. Svortsov est à gauche. Au centre, c'est Semyonov. Et à droite, c'est Svetlov. Brent Sutter poursuit sa course à 4 en zone adverse. Et il a été devancé à deux endroits. Là, on voit que on précipite ses gestes. On était un peu anxieux et on veut se rendre au but le plus rapidement possible. C'est Bossy qui est passé trop tôt. Là, on s'empresse, et le temps presse aussi de chercher à créer l'égalité et de rebondir dans le match. Mais c'est impardonnable. À 4 contre 2, ça ne devrait jamais se produire. 12 minutes et 23 secondes à jouer en troisième. 2-1 URSS, les tirs au but 31-19 favorisant l'équipe canadienne. Le Canada qui a connu sa meilleure période en deuxième. Là, c'est Svortsov devant Wilson. Il l'arrête. Là, Varnakov est là avec Brent Sutter. Et la rondelle se déplace que très lentement le long de la rampe. Hors jeu. C'est la Coupe Canada 84 qui se poursuit dans un moment au réseau TVA. Si Makarov a marqué un sixième but, c'est un huitième point pour Krutov. Dans le tournoi, Krapé et Krutov ont chacun 8 points. 12 minutes et 3 secondes encore à jouer en troisième période. On reprendra à la gauche de Pete Peters avec Kovin à la mise en jeu. Middleton qui se pointe en zone adverse, accélère, veut rejoindre Fouque de l'autre côté. Là, c'est encore une fois le filet qui sort de ses amarres.
La finale commencera dimanche 20h à partir du Saddle Dome de Calgary, ici même, au réseau TVA, entre la Suède et le gagnant de ce match aujourd'hui. Je vois Gretzky dans la mêlée, il serait temps pour lui d'exploser. 4 matchs sans but. Et 4 matchs et 2 périodes. Lowe vers Gretzky à Bourque. Et la rondelle qui revient chez les Canadiens. Bourque à Middleton. Vers Lowe, ce qui ralentit le processus de sortie. Lowe maintenant jusqu'à Bourque. Retour à Lowe. Jusqu'à Gretzky, la rondelle lui échappe. Berbukin rejette du côté de Kazatonov au centre et ce sera refusé à l'équipe soviétique au moment où Robinson touche la rondelle. 11 minutes et 10 secondes encore à jouer en troisième, 2-1 en faveur de l'équipe soviétique. Larry Robinson a sa troisième participation dans le tournoi de la Coupe Canada. C'est très bien qu'il en est dans sa dernière. C'est pour cette raison qu'il aurait voulu conserver le souvenir d'une victoire et qu'il y tient tant. Et malgré tout ce qu'il a pu se dire, malgré tout ce qui s'est passé, Robinson dit « c'est peut-être finalement le tournoi dont je me souviendrai le plus longtemps ». Messier à la mise en jeu. À sa droite, c'est Gartner. À sa gauche, Anderson. Une rondelle que ne peut garder chez l'adversaire Coffey. Là, c'est Robinson aussitôt à Messier. Et il perd. Et là, c'est venu près de réussir chez les Soviétiques. Là, c'est Anderson. Anderson. Une passe. La rondelle revient sur son bâton. Et finalement, au centre, on doit intervenir autour de Coffey qui se remet en marche. Là, à Messier. Messier par derrière à Gartner, mais on lui enlève le disque. Robinson reprend jusqu'à Coffey, plus loin Anderson. Bilialedinov l'arrête et Anderson à nouveau renvoie, mais accidentellement, chez les spectateurs. Le tempo a diminué, ça c'est à cause du travail, de la façon dont les Soviétiques jouent. Ils ont la situation en main, veulent la conserver de cette façon. Et on les voit se blottir à 4 et 5 hommes à la ligne bleue. Cette émission est diffusée avec la permission de Hockey Canada et l'Association des joueurs de la Ligue nationale de hockey en collaboration avec TV Labatt. Toute retransmission ou réutilisation des images de ce reportage sans l'autorisation du réseau TVA et de TV Labatt est formellement interdite. Il reste 10 minutes et 20 secondes encore à jouer. En troisième période, là c'est Brad Sutter. Il se dégage et il rate la cible. Son revers qui a complètement raté la cage. Larionov qui déjoue. Adé. Et il frappe le poteau. Et Adé a mordu là-dessus d'une façon incroyable. Comme ça arrive souvent quand on rate à une extrémité, eh bien, on marque à l'autre bout. Et cette fois-ci, ça ne s'est pas produit. Là, c'est Wilson. Se lance en attaque. Remet derrière à Tonelli. Veut passer devant, mais ça passe et fleure un patin. Et la rondelle est prise par Krutov. Voulant dégager, c'est repris par Gretzky. Ensuite, à Bourque, aussitôt, renvoie une rondelle qui est reprise par Larionov. Puis plus loin à Zhukov. Il déjoue Gretzky le long de l'aile droite. Peters intervient. Remet du côté de Lowe. La rondelle va par-dessus le bâton de Goulet. Et en territoire neutre, Bourque qui remet à Lowe jusqu'à Goulet. Et cette rondelle qui réapparaît au centre sur le bâton de Semyonov qui trébuche. Et c'est Kazatonov maintenant jusqu'à Yashin. On a jugé que Yashin avait fermé la main sur cette rondelle. C'est donc un autre arrêt de jeu. C'est la Coupe Canada 84 qui se poursuivra dans un petit moment au réseau TVA. Le Canada qui menait 1-0 a vu cette avance changer complètement en 1 minute et 49 secondes. Les Soviétiques ont marqué deux fois pour se jeter en avant.
Robinson. Là, c'est Gartner qui accélère. Gartner voit Zubkov perdre son bâton. Et Robinson, là, qui se fait mettre en échec par Semyonov. Robinson qui tente de garder le disque à l'intérieur. Anderson qui tente d'enlever le disque à Zubkov. Là, c'est Gartner qui rapplique. Et un bel arrêt de Bichkin, vif. Un tir à sa droite. On rapplique du côté des Soviétiques. Yashin, il s'amène devant Robinson. Et on ne peut diriger un tir correctement. Là, c'est Kazatonov, arrêté par Robinson. Robinson qui file en zone adverse. Robinson tente de déjouer Kazatonov. Retourne le filet, remet par derrière. Et Bossy avait perdu son bâton, n'a pu prendre la passe que lui destinait Robinson. C'est Zevar Markov. Il échappe le disque. Il reste 7 minutes 38. Il se fait tard. Tonelli passe devant Bossy. Tonelli est libre. Et on a pu compléter le jeu. Bourque remet en territoire neutre. Et Varnakov qui rejette chez le Canada. C'est Bourque. Plus loin à l'eau. À Brent Sutter. À Bossy. Et on l'a ralenti dans sa course. C'est arrêté à la ligne bleue. Une passe qui est ratée. Elle était destinée à Sportsov. Là, c'est Bourque. Et Gretzky doit ralentir sa course puisque Tonelli allait se diriger de l'autre côté. Là, c'est Middleton. Middleton ne peut faire autrement que de perdre le disque en harcelé de part et d'autre. On a jugé que Wilson avait ramené la rondelle en zone adverse avec sa main et aussi on avait dit que la rondelle était sortie du territoire ennemi. Oui, la rondelle est revenue au centre. Wilson a tenté de faire très vite en ramenant le disque à l'intérieur de la zone de l'équipe soviétique. Et Tikhonov, lui, non seulement multiplie-t-il les changements dans son équipe, mais j'ai compté là dans les derniers changements 20-25 secondes tout au plus, on revient aussitôt au banc. On veut toujours avoir des forces fraîches dans la mêlée. Il faudrait que les Canadiens fassent la même chose parce que à deux reprises, le trio de Messier est demeuré sur la glace un peu plus longtemps et celui de Gretzky aussi. Son séjour s'est prolongé un peu trop et ça, ça met un peu plus de pression sur une défensive qui est déjà très vulnérable. On en a parlé, c'est le point faible de l'équipe canadienne et elle a du mal d'ailleurs à appuyer l'attaque. Et c'est faux en plus qu'on se fatigue inutilement à l'attaque. La charge devient énorme pour les défenseurs. Là, vers Benetton. Oh! Qu'est-ce qu'il a raté comme chance? Et la rondelle revient sur le bâton de Café. À Wilson, il tire. Et Wilson qui reprend. La passe aussitôt dans le coin de la patinoire. À Gretzky. Passe devant. Et Middleton. Et Gretzky. Passe devant. À Wilson. Il tire. Et le but! Ça n'a pas été fait avec une note très artistique, mais c'est fait dans le style du hockey canadien, avec le cœur, l'ardeur, le courage, la bourde qui va obstruer la vue de Bichkin. Tout ça a commencé par le double effort de Gretzky, le lancer de Wilson, l'arrêt de Bichkin, la rondelle finalement glisse derrière lui, l'égalité est créée à deux reprises. Gretzky est venu chercher la rondelle derrière le filet, à rappliquer devant et s'apercevant qu'il était absolument incapable de déjouer Bichkin, a servi la passe à Wilson. Wilson s'est aperçu que Bourne obstruait la vue de Bichkin, décoche le tir en cherchant à la partie supérieure du filet à la gauche du gardien soviétique. C'est l'égalité 2 à 2. Et comme je le disais, ça n'a pas été fait avec toute la science et toute la beauté du jeu européen, du jeu soviétique, comme on aime souvent le dire. Mais c'est fait à la façon typique des Canadiens, avec l'ardeur, le courage, le rouleau compresseur s'est mis en marche dans la zone soviétique. Et maintenant, c'est un nouveau match. Et si on se reporte à 1976, au match de la finale contre la Tchécoslovaquie, le match est allé en surtemps et c'était un but de Daryl Sittler qui avait donné la victoire à l'équipe canadienne. On vous rappelle que
s'il y a lieu, il y a du surtemps. Demi-finale et finale. Là, un tir. Oh, et c'est passé bien près de réussir du côté des Soviétiques. Et Zhukov qui envoie un tir faible. Et c'est une passe qui était faite avec la main. Makarov, lui, n'en croit pas ses yeux. Makarov, qui aime en Irlandais les arbitres, ça lui est arrivé en quelques occasions ce soir. Alors, les mentions d'assistance vont à Gretzky et Bourne sur le but de Wilson. Et c'est un public qui se ranime, un public qui vient de revenir dans le match soudainement. Il y avait un silence ici qui en disait long. Et on brandit les drapeaux derrière l'équipe de l'URSS, les drapeaux canadiens, s'entend. Et malheureusement, on ne peut pas voir ça à l'écran. On va faire une autre pause, le temps de respirer un peu. C'est la Coupe Canada 84 qui se poursuit dans un moment au réseau. Alors voilà le temps qu'il reste. Et sur le dernier but, le but de Wilson, on a vu jusqu'à quel point les Soviétiques tentaient de se regrouper autour de Mishkin. Là, c'est Pervoukin qui reprend le rondelle au centre. Et là, Peters doit intervenir, mais on a jugé qu'il y avait un autre arrêt de jeu. Et le vent a tourné à nouveau. C'est Pete Peters. Pete Peters qui a joué un fort match aussi. Moins occupé que son vis-à-vis Mishkin. Il n'a reçu que 19 lancers jusqu'ici. Mais les Soviétiques en ont laissé partir quelques dangereux. Et heureusement que Peters s'est montré alerte. Alors, Seder a envoyé pour quelques secondes Bossy, Tonelli et Sutter. Il revient aussitôt avec le trio de Middleton, Gretzky. Et de l'autre côté, c'est Bourne, celui-là. Oui, c'est Bourne. Et là, Tikhonov, il va avec son trio défensif contre Gretzky, celui de Covin. Et Wilson, qui a entraîné un adversaire avec lui, il se relève et ce qui lui permet de faire quelques échanges avec Robinson. Et là, c'est Covin qui s'amène en zone adverse. Middleton qui ne peut dégager, un jeu nonchalant. C'est comme si on jouait au basketball, là, soudainement, devant le filet de Peters. Bourne qui tente de déjouer Starikov. Il trébuche dans le coin de la patinoire. Covin qui vise Varnakov, mais la rondelle se rend jusqu'au centre. Covin à nouveau et renvoie jusqu'en territoire de l'équipe du Canada. Ce qui permet des changements de part et d'autre. Là, c'est une rondelle qui sera touchée par Gartner. Gartner la retourne de l'autre côté. Il reste 4 minutes encore à jouer en troisième période. Là, c'est Messier. Messier Anderson, il tire et l'arrêt de Mishkin. La rondelle va plus loin. Dans le coin de la patinoire, c'est Kazatonov qui, harcelé par derrière par Gartner. Là, c'est Makarov. Aussitôt à Larionov. Passe devant. Et Peters qui fait l'arrêt. Là, c'est Kazatonov maintenant qui reprend de l'autre côté. Et la rondelle est reprise par Gartner. Ce sera la descente à 2 contre 3. Gartner en tête. Vers Messier. Messier prend bien son temps et il tire. La rondelle ira jusqu'à Robinson qui a quitté son poste. Robinson travaille d'une main. La passe est faite de l'autre côté. On retourne la rondelle du côté de Anderson. Et là, Mishkin a dû faire vite car Anderson replaçait la rondelle en jeu dans l'embouchure de la cage, protégée par Mishkin qui a été sensationnel. Vous voyez dans l'encadré le temps qu'il reste à jouer en troisième période, 3 minutes et 21 secondes. Robinson qui se promène avec Makarov dans les bras et Anderson lui reçoit le disque des mains de Robinson, tente de surprendre Mishkin dans un angle absolument impossible, trop serré, trop mince pour lui. Et la rondelle, néanmoins, s'est promenée quelque peu devant Mishkin et ça a eu pour effet de jeter des frissons dans le public qui d'ailleurs ont réagi au moindre geste ici. Les tirs au but en troisième, 7-4 favorisant le Canada et au total 34-20. Et Bossy est venu près de prendre la rondelle, mais ça a été raté. Café aussitôt renvoie les Soviétiques chez eux. L'affaire Vukin qui joue du côté de Svetlov. La Café. Café un tir. C'est arrêté en défensive. Une descente à 4 contre 3. La rondelle
est prise par Robinson. Il la perd, il la reprend contre la rampe. Semyonov est là, également Yashin. Yashin qui a le disque. Il est pris par derrière par Tonelli. De l'autre côté, c'est Sutter. Renvoie le disque jusqu'à Robinson. Un match épuisant s'il en est un pour les deux équipes. Et c'est une rondelle qui sera prise à la droite. Et finalement, renvoyé jusqu'à l'autre bout, ça ne sera pas refusé. Stelnov poursuivi par Middleton. Stelnov, la passe en diagonale, ça sera 3 contre 2. Maintenant avec Barnakov en tête. Et là, un beau jeu plus loin de Zvortsov. Dans le coin de la patinoire, ce sera à 3 devant. La relève est libre, elle est reprise par Middleton. Il la perd et c'est retourné en zone canadienne. Bourque jusqu'à l'eau et la rondelle effleure un bâton et elle s'en va sur celui de Starikov. Territoire neutre. Là, c'est... Il reste moins de 2 minutes à jouer en troisième période. Zvortsov, là, un tir, rate la cage. C'est un tir faible. Là, c'est l'eau. Puis plus loin, un dégagement qui est raté. Barnakov. Et on a jugé qu'il y avait un hors-jeu à la ligne bleue de l'équipe du Canada. Époustouflant, Claude, et ça vous en met des frissons. Voilà, sur le jeu là, que nous revoyons, Middleton a été blessé. Il est entré en collision avec Starikov. Regardez, recourbé, il entre au bord des siens et il a eu le souffle coupé. On a craint pour pire, naturellement. On pensait qu'il s'agissait de l'épaule. Le soigneur aussitôt a vérifié l'épaule et là, j'ai vu Middleton lui faire signe de la tête. Non, non, c'est pas l'épaule, c'est plus bas. 1 minute 45 encore à jouer. C'est 2 à 2. Là, c'est Wilson. Aussitôt à Gartner. Gartner, seul de son camp, tente de déjouer Zubkov. Gartner, qui voit Messier passer par là et tenter de prendre le disque. Les deux 11 ont maille à partir. Là, c'est Messier. Oh! Et qu'est-ce... Incroyable! Qu'est-ce qu'on a raté comme occasion? C'est inouï! On a tenté de déjouer et redéjouer au lieu de tirer au but. Voilà, la reprise, c'est une rondelle qui était perdue dans la zone des Soviétiques. Kazatonov est complètement battu par Paul Campy. C'est Messier qui reprend, tente de remettre à Gardner, mais là, il y a un joueur qui venait arracher la rondelle, c'est Makarov, qui fait perdre la rondelle en même temps à Messier. Et l'intervention de Mishkin, finalement, qui retrouve le disque. Et quelle chance ratée par l'équipe canadienne. Il y avait tout le monde autour de Mishkin. La cage était complètement abandonnée. Je me demande pourquoi on a voulu s'approcher tant que ça du but. Un tir à la vedette même. On y va, en fait. On essaie n'importe quoi. Exact. Et vraiment, Mishkin a été tout à fait sensationnel. Et... on ne dira jamais assez. Le dauphin de Tretiak est là, c'est pas pour rien. Il a fait ses classes, il a appris de Tretiak et il nous le prouve. C'est lui en définitive qui a gardé les Soviétiques dans le match jusqu'ici. Exact. Là, c'est Messier à la mise en jeu. Devant lui, c'est l'autre 11, Larionov. Messier qui gagne la mise en jeu, mais c'est perdu plus loin. Makarov. Jusqu'à Pervoukin. Et au centre de la patinoire, c'est intercepté par Café. Aussitôt, on rejette en zone adverse. Là, c'est Gartner. Gartner de l'autre côté, jusqu'à Wilson. Wilson par la rampe, jusqu'à Gartner. Il y a beaucoup de circulation derrière le but de Mishkin, ce qui fait que les Soviétiques en profitent pour sortir de leur territoire. Une mauvaise passe, là, et on retourne le disque en territoire neutre. Il reste 45 secondes. Là, c'est Makarov que l'on fait trébucher. Là, c'est Bossy. Bossy qui hésite. Et vrai en boucle, mais la rondelle bondissait et il n'a pu compléter le jeu. Là, c'est Brad Sutter avec Tonelli, mais ça manquait de précision. Et Krutov qui descend le long de l'aile droite. Et on doit rentrer au centre. C'est Makarov. 2-2, toujours la marque. Il reste 18 secondes encore à jouer en troisième. Là, c'est pour Semyonov. Mauvais dégagement. Semyonov qui est accroché. Là, on se met à 2. C'est Svetlov qui perd. Il reste 5 secondes.
Voici le soccer. Connelly et... Voilà qui met un terme à la troisième période de jeu. Et les joueurs devront regagner leur vestiaire. Et ils se sont vraiment épuisés pendant tout ce temps-là. Ils devront revenir plus tard pour tenter d'aller arracher cette victoire. C'est que le Canada a pris les devants 1 à 0. Ensuite, les Soviétiques ont marqué deux fois à 1 minute 49. Puis le Canada, finalement, allait niveler pour lancer ce match en prolongation. Alors qu'on voit Mishkin complètement épuisé. Et il rentre au banc pour un repos bien mérité. Alors, les tirs au but par l'équipe canadienne en troisième période, 8 pour un total de 35 jusqu'ici en 60 minutes. Et par les Soviétiques, 4 pour un total de 20. Et quelle période encore, et le meilleur est à venir. Est-ce possible? C'est le toit qui va sauter ou les gens vont complètement être consternés par un but qui va arriver dans plusieurs minutes en période de sursaut. Chose certaine, jusqu'ici, les Canadiens